On est en direct. Je passe la petite chanson de Flavien Naoba, La Panthère. Voilà, c'est sa chanson. C'est la chanson de Flavien Naoba. Avant de démarrer, vous connaissez la panthère Flavien Naoba. On va balayer les news. Bonsoir à chacun. Prenez le temps. Prenez le temps de partager le live. Bonsoir, bonsoir. Partagez le live. On va refaire un peu les news. Les news. C'est la chanson de Flavien Naoba. Que vous connaissez, une panthère du G6. Partagez le live, partagez le live. On va balayer les news. C'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît.
n'est-ce pas, dit un exercice. A pas de quoi n'entrer, il y a beaucoup de tir à colo. Il y a Ah oui, oui. Je suis la pépite. Ok. Merci beaucoup. On démarre tranquillement le live. Toujours les mêmes informations. Du côté de la prison centrale, nous avons nos frères qui nous crient au secours. Venez nous aider. Ne nous oubliez pas. Nous avons des héros nationaux. Nous avons des personnes qui n'ont rien à faire en prison. Je remercie déjà SOS Prisonnier qui fait un travail mémorable, remarquable, considérable auprès de nos compatriotes. Ceci n'est pas une prison, c'est un goulag. Ceci n'est pas une prison, c'est un camp de concentration. Ceci n'est pas une prison, c'est le témoin de notre déshumanisation. Sommes-nous toujours des humains? Sommes-nous encore des humains? Avons-nous perdu toutes les références ancestrales que notre société nous a enseignées? Et qu'est-ce que nous sommes devenus Gabonais? Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut faire ça au 21e siècle? C'est pas normal. Voilà, donc déjà première chose, on va aider nos frères qui sont en prison, nos frères et sœurs. Voilà, n'hésitez pas, vous savez déjà le contact de Balak. Je vais vous le redire et je vais vous mettre son nom là à l'écran. Vous connaissez déjà, hein? C'est pas la première fois qu'on fait cette action. Moi, je ne veux pas des procrastinateurs. Ma grand-mère disait qu'il y a des gens qui font toujours tout en maillot. Maillot enfant, ça veut dire je vais faire quelque chose. Demain, toujours demain, le futur proche, le futur lointain. Et moi, j'en ai fait le concept qu'on appelle la maillolite, c'est-à-dire des procrastinateurs, des gens qui renvoient toujours à demain et qui finissent par ne jamais faire. Sommes-nous ces gens? Non. Les procrastinateurs ne changent jamais rien. Ils ne peuvent rien modifier dans leur espace de vie. Les procrastinateurs amènent toujours le pays au sol. Parce que tout ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, ils ne le font pas. Et demain, ça manque. Ne soyez pas procrastinateurs. J'ai besoin sur ce live, si nous sommes 200, j'ai besoin de 200 personnes actives qui font quand ils ont envie de faire et quand ils sentent que l'appel à faire est là, présent, violent. Hein, voilà, la magnétisation de ça. Si vous avez un magnétisme avec cet espace, agissez dès maintenant. Quand ça va finir? Vous allez prendre votre téléphone. Vous allez aller chez un boutiquier si vous voulez. Quand ce sera terminé, vous allez commencer. Vous allez envoyer un Airtel Money à Barack Obama, à l'attention des autres prisonniers. Parce que lui, il s'est dispatché. Et quand ce Airtel Money va produire l'effet pour lequel vous l'avez envoyé, des bénédictions immenses vont retomber sur votre vie. Beaucoup de choses que vous gagnerez seront le fruit de votre investissement pour le bien-être d'autrui, un investissement sans condition, sans retour. Sachez-le, c'est dans les petites choses qu'on gagne de grandes. Voilà, si vous voulez vraiment que le compteur pour la vie, pour Dieu, soit positif pour vous, il faut toujours s'attendre à faire des actions positives, sans contrepartie. C'est ce que moi j'ai appris à faire et je pense que sur cet espace, nous le faisons. Je vais donner quand même quelques nouvelles. On a Yann Demba, notre ami, que nous suivons depuis un moment, qui en ce moment attend la décision finale d'évacuation sanitaire. Je suis directement en contact avec qui de droit dans ce dossier, et notamment je rappelle au médecin que nous attendons incessamment qu'il finisse de nous faire son rapport pour qu'il y ait une évacuation sanitaire. Logiquement, ce rapport doit être finalisé demain, le rapport du médecin, pour déclencher une évacuation sanitaire dont il a besoin. Voilà, nous sommes en contact avec d'autres organismes, on viendra vous tenir informé. Mais n'oubliez pas, notre frère est toujours à fond, à fond, à fond. Il s'est battu et nous a prouvé qu'il ne va jamais lâcher. C'est très important. Ok, donc ça c'est une chose. Ensuite, on a un autre frère qui a subi une évacuation sanitaire depuis l'intérieur du pays. Je crois que c'est Port-Gentil. Et qui est arrivé à Libreville en début de semaine. Je ne peux pas vous montrer les images de ce frère parce que c'est terrible. Il avait un petit calcul rénal, hein, des calculs rénaux, hein, donc il était à Port-Gentil. Et le médecin qui l'a consulté a décidé qu'il nécessitait une opération. Je vous assure que la charcuterie que ce médecin a opérée sur son ventre, c'est du jamais vu et du venez voir. C'est quelque chose de horrible à voir. Il a découpé, charcuté son ventre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il allait chercher dans le ventre du pauvre frère. Et il l'a laissé dans un état où le frangin n'arrive même plus à évacuer ses déchets.
une situation compliquée. Donc, il est arrivé, il a été pris en charge par SOS Médecins, par pardon. Ah, je voyais que on est toujours dans les références européennes. Hein. C'est pas SOS Médecins qui l'a pris, hein, même s'il y a SOS Médecins au Gabon aussi. C'est pas ça. Il a été pris en charge par le SAMU social. Voilà, il est arrivé à Libreville et maintenant, on est en train de l'accompagner pour tous les rendez-vous et surtout, surtout, s'il a besoin d'une évacuation sanitaire, on sera là. Nous sommes là pour le positif, nous sommes là pour aider les gens. La force que nous avons ensemble, c'est pour que les problèmes trouvent des solutions. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, je donne l'information sur ce frère. Bon, je vais quand même vous montrer un peu l'état de son ventre. Parce que je pense que il n'est pas identifiable sur la photo que je vais montrer. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte du travail que nous sommes en train de mener au quotidien. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne fait pas. Et on le fait ça ensemble. Il y a des gens ici qui sont médecins connectés. Venez me voir. Comme ça, au moins, on vous enregistre sur la plateforme comme des gens qui peuvent aider un jour. Vous êtes juriste, vous êtes médecin, vous êtes entrepreneur, n'importe. Parce que le jour où on a besoin de vous, c'est de ça dont nous, on a besoin. Pas le buzz. On n'est pas dans le buzz, on n'est plus dans l'ère du buzz. Le buzz, c'était il y a 10 ans. Le buzz, là, on s'en fout de ça. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que si quelqu'un regarde, il peut agir. Si quelqu'un regarde, il peut agir. Si quelqu'un regarde, il peut agir. Et ça tombe sur vous. C'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous, c'est nous. On a aidé les jeunes qui sont en Ukraine. D'ailleurs, demain soir, on fera un live avec eux. Je l'annonce déjà. Ils viendront parler de leur situation parce que les autorités ont raconté des bêtises dans leur journal télévisé concernant l'assistance à ces jeunes qui étaient coincés en Ukraine. Et c'est nous ici, c'est vous qui avez aidé. Il est hors de question qu'ils viennent usurper, hein, une solidarité publique qui s'est organisée là devant vous. On a quand même cotisé, on leur a envoyé un peu d'argent. Ils ont un peu trouvé aussi pour eux et beaucoup, ils sont sortis. Aujourd'hui, en Ukraine, il n'y a plus qu'un seul Gabonais qui est resté parce que sa femme est à terme. Donc, il attend que la femme accouche. Mais eux, ils sont allés raconter que c'est eux qui ont aidé, quoi, quoi, quoi. On va voir ça. Demain soir, on va faire notre live. Je vous l'annonce déjà. Demain soir, avec les jeunes coincés en Ukraine. D'accord? Ils viendront démentir tout ce que la RTPDG Gabon 24, quoi, 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 a dit. C'est pas sérieux. Bon, je vous montre. Vous allez voir vous-même. Pour rien que les calculs Renault, hein. Donc, en ce moment, on est en contact avec le frangin. Le docteur en question, c'est le docteur Alain, hein, qui est à Port-Gentil, qui a charcuté le frangin. Voilà, je vous montre tout de suite, parce que vraiment, les images sont insoutenables, insoutenables. OK? On ne sait pas ce qu'il allait chercher dans le ventre du pauvre frère. Tout ça pour que vous voyez. Hein, les erreurs médicales au Gabon. Voilà, les news, c'est ça. On va faire les news parce que c'est les choses positives qu'on essaye de faire ensemble. C'est très important de se le dire aussi. On n'est pas là que pour dénoncer. On est aussi là pour essayer d'agir, faire quelque chose. Faire quelque chose, faire quelque chose ensemble. Donc, si vous souffrez aussi d'un problème de ce type, comme on aide tous les jours là, c'est important, ça peut tomber sur un frère ou une sœur. Voilà, je vous montre, je vous montre. Donc c'est un frère, hein, c'est un homme. Hein. Et vraiment, je vous assure que moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué pour un calcul rénal. Voilà, je partage l'écran. Hein. On ne sait même pas où les gens là vont prendre leur diplôme. C'est pas sérieux. Regardez vous-même. C'est un banal calcul rénal. Hein. Regardez suite à l'opération comment le ventre du frangin a été laissé. C'est son ventre qui est comme ça. Je vous montre une autre image. Voilà. Ça, c'est le ventre. Calcul rénal. Depuis quand le calcul rénal, vous ouvrez le ventre comme ça, là, on dirait une césarienne. Tu es allé chercher quoi? Ça, c'est quel genre de charcuterie? Calcul rénal. On met sur le côté, le rein, c'est maintenant au niveau du ventre. Le rein, c'est maintenant au niveau de l'abdomen ou bien de l'estomac. Calcul rénal. Ça, c'est un médecin de Tchengue qui a fait ça. Une erreur médicale manifeste, connue et reconnue, puisqu'il a été pris en charge derrière par le SAMU social. Et l'affaire est au niveau de la justice, parce que c'est quand même une erreur médicale, il a porté plainte. Il y a une plainte. C'est quelle histoire ça, mon Dieu, c'est quelle histoire. Regardez le nombril, les bousillés, tout, tout. Il lui a fait quoi dans le ventre, on ne sait pas. Il a appelé la médecine où, ce docteur? Le docteur Alain.
de Tchengue. Tu as fait quoi au pauvre monsieur? Tu as appris la médecine où? Vous-même voyez. Vous avez vu, non? Voilà. Voilà, ça c'est les choses du Gabon. On avance. Dossier suivant. Parce que je vais revenir aussi sur le live de samedi. Dossier suivant, c'est par rapport à la mairesse de Libreville. J'ai fait la publication aujourd'hui sur ce qui se passe à la mairie. Oui, effectivement, la mairie a l'habitude d'octroyer l'exploitation des espaces municipaux par des tiers. Ça veut dire que tu délègues, ils exploitent et on reverse quelque chose. Vous avez vu le document que je vous ai montré, je vais vous le remontrer aujourd'hui. Dans ce document, on voit clairement que la mairesse a octroyé l'exploitation de la zone d'embarquement et de débarquement de marchandises et d'humains dans Gondje, dans Wendje, hein, à un individu, Monsieur Piti. Cet individu qui, d'après ses propres collègues taximan, serait d'origine camerounaise, bon là n'est pas la question, mais quand même, se pose la question de la réciprocité. Voilà. Il a eu quoi comme avantage? Parce qu'il faut quand même comprendre, on est dans le oui. L'avantage qu'il a eu, c'est quoi? Il a le droit d'exploiter pendant un an. Hein? La station d'arrêt de taxi, taxi bus et petit taxi dans Wendje. Pendant un an. Les seuls frais qu'il va engager, c'est le nettoyage. Vous-même, vous voyez qu'il faut nettoyer quoi là-bas? Il n'y a rien. Rien à nettoyer, quasiment rien. Il y a 25 taxibus qui circulent dans la zone. 25. Chaque taxibus doit lui payer 1000 francs. Chaque petit taxi doit lui payer 500. Je fais le total par mois de ce qu'il va avoir, c'est au moins 750 000. Mais dans l'exploitation, dans le contrat qu'il a signé avec la mairie, qui est une disposition légale, mais pas à ce titre-là, pas comme ça, il ne reverse que 50 000 francs à la mairie sur les 750 000 francs. 50 000 francs à la mairie. Ça veut déjà dire que il y a un problème. Madame la mairesse, pourquoi vous pouvez priver comme ça la mairie de ses deniers? Est-ce que vous avez une entente avec lui? Comment quelqu'un peut, sur une chose, lui ne dépense quasiment rien? Il ne va rien nettoyer là-bas. Parce que c'est les seules choses qui vont engager ce nom. Il ne va rien nettoyer, rien à nettoyer. Il nettoie souvent quoi les gens là? Rien. Et il va donc se taper 700 000 francs tous les mois. Que un. Quoi? Il n'y a pas de Gabonais, même 3-4 Gabonais ne pouvaient pas s'organiser pour faire ça. Même en tournant. Et avoir les 700 000 francs là, chacun prend 200 000. Au point que ce sont ses propres congénères taximan qui lui ont dit que non, Karim, tu abuses. Parce que nous tous on sait d'où on vient. C'est quoi ton problème? Je vais vous montrer. J'ai publié la vidéo là. Mais c'est pas fini. Parce que là maintenant je l'ai mise à jour. L'autre jour, j'avais une extension de voix, je ne pouvais même pas parler. Là, la voix est revenue. Mais là, tout de suite, regardez la vidéo. Vous-même, vous allez voir. Agnan Biarera. Voilà. C'est ça qui vient d'arriver, l'Ankongong. Et je remercie tous les followers qui envoient les docs. Continuez d'envoyer, voilà, c'est ça. Je vais récupérer. Je vous montre tout de suite la vidéo. Ne bougez pas. Bazo babou, je t'ai. Et je vous montre tout de suite les documents. Et dans ces documents, donc, vous allez voir la fameuse concession. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que vous allez vous rendre compte que, en fait, la mairie fait la même chose depuis longtemps. Ils font des concessions aux gens n'importe comment. Ils font ça même pour le débarcadère. On va en parler tout de suite. Attendez. Je finis d'abord de vous montrer les images. Je ne veux pas que mon extinction de voix m'éteigne encore. Hein, c'est pas bon. Attendez, vous allez voir. Bazo Bazali. Donc. Bazo bouge, 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 bouge. Télécharger. Is it by télécharging de vidéo? Ne parle pas beaucoup, ne parle pas beaucoup, mon frère, hein, monsieur Piti, faut pas parler. Attends, il faut qu'on te montre d'abord bien, parce qu'il faut pas d'abord commencer à nous fatiguer sévèrement. Les neurones, c'est pas sérieux. Voilà. Et les gars, en fait, quand. Non, je vais vous raconter.
Parce que je préfère ne pas beaucoup parler. Taguer, pendant ce temps, taguer les gens. Avant que je montre le truc, taguer d'abord. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir en retard, ils n'ont pas vu. Après, ils vont demander de quoi s'agit-on, comme d'habitude. De quoi s'agit-on? Voilà. Non, ne vous inquiétez pas, tout ça va arriver. Tout vient à point nommé à qui c'est attendre. Attendez, taguez les gens gays. Faut pas me fatiguer la voix. Ma voix est beaucoup faible. Oh, beaucoup faible. Oh, Agnabie. J'ai commencé à prendre déjà le miel. Je vais vous expliquer pourquoi ma voix est faible en fait. J'ai commencé à avoir une extension de voix à cause de la grippe depuis le week-end. Après, il y a eu le live de la mort qui tue samedi. Bon, ça m'a un peu encore bousillé. Mais dimanche, j'avais match avec Megar. Donc là, on a fait un match mémorable contre le Mali. Notre première victoire contre, parce que c'était l'adversaire qui nous était un peu difficile à battre ces derniers temps. On a fini là, on a gagné. 5-3. Non, vraiment, le coach a beaucoup crié. Le bloc, déplacement, oh, transition, machin. Maintenant, ma voix était maintenant cassée. Même quand j'étais aimé, ça m'enlevait encore la voix. Vous vous rendez compte? Donc, c'est ça qui s'est passé. Bon, en tout cas, voilà. Je vous ai dit de taguer, donc tant pis pour celui qui arrive en retard. Là, maintenant, c'est parti. On va montrer de quoi sont en question ici. Donc, ici, là, vous allez voir la vidéo que j'ai publiée sur... voilà, regardez. C'est lui, donc, hein, Monsieur Pitié en question. C'est lui, là, qui en rose. C'est lui. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que le taxi se gare, le taxi bus se gare. Quand le taxi bus se gare, il dit que tu dois payer colo. Taxi bus dit que non, mon frère, toi et moi, on est ici, là, on se connaît. Depuis quand tu viens me... Oh non, en vertu du document que la mairesse m'a fait signer, vous devez maintenant me payer 1000 francs. Le taximan dit que non. Donc ça a boudé. C'est ce que vous voyez là, la bouderie. Donc là, ils menacent les autres taximans de leur casser la gueule. Normalement, ça, c'est un problème qui est réglé facilement avec les agents municipaux. Parce que ce contentieux, qui est un manque, absence de reconnaissance de l'individu, absence de reconnaissance dans son droit, il sort d'où, il vient d'où, comment les gars n'ont pas été informés, pourtant nous avons un syndicat de chauffeurs, de taximans hein, ou de transporteurs et tout ça. Rien. Et le gars, il le connaît, c'est notre ami, c'est le gars qu'on se dise que non, toi aussi, pas toi. Quand même pitié. Ayez pitié des Gabonais, quand même pitié. Évidemment, les chauffeurs là, beaucoup sont étrangers. Hein? Les personnes transportées sont gabonaises et beaucoup sont aussi étrangères. C'est pas un problème. Le Gabon est une terre de comment on va dire ça, d'accueil. Il n'y a pas de problème pour ça. Hein? Et puis nous sommes tous multiculturels. Moi-même, j'ai une partie au Cameroun. J'ai toujours dit, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand même, il y a un truc. C'est que moi, si je pars aujourd'hui, je vais au Cameroun. Je ne suis pas sûr que la mairesse de, ou le maire de Yaoundé va me faire signer un papier où je peux quand même avoir exploitation d'une zone municipale où la zone rapporte 700 000 francs par mois et moi je ne donne que 50 000 à la mairie. Je ne suis pas sûr. Je pense que si je quitte, j'enlève mes pieds, si je vais là-bas aujourd'hui là même, on va seulement me retrouver au CHUL de Yaoundé comme une personne qui est venue prendre ses coups de poing ou des machettes, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre là-bas. Donc, principe de réciprocité, zéro. Pourquoi on ne prend pas les jeunes Gabonais qui galèrent? Il y en a de plus en plus, même les étudiants. Vous prenez un étudiant Gabonais ou un groupe d'étudiants, allez à l'UOB, prenez le syndicat des étudiants de l'UOB. Dites-leur qu'ils vont avoir 700 000 par mois, rien que venir surveiller ici, là, le chargement, déchargement. Vous allez aider déjà, peut-être, je ne sais pas combien de familles. Parce que chaque mois, ils peuvent même faire une tournante. 700 000. Et 700 000, hein. Même s'ils donnent 20 000 à chaque étudiant par mois, vous avez déjà aidé le pays. Et puis le mois d'après, c'est d'autres étudiants. Puis le mois d'après, pourquoi vous faites ça? Le gars-là ne dépense rien à la gestion de cette zone. Mais c'est pas fini. Madame la mairesse, Madame Ntoutoum, non, c'est pas bon. Je vais vous montrer maintenant la suite. La suite, c'est quoi aujourd'hui là? Parce que après là, ils sont allés au commissariat de Bellevue 2. Parce que les gars-là n'ont pas voulu se laisser faire. Donc à partir de ce moment, le commissariat dit on n'est pas compétent. Parce que l'affaire vient de la mairie. Quand ils arrivent à la mairie, madame la mairesse, elle confirme, elle dit qu'il faut le laisser percevoir. Parce que c'est moi qui lui ai donné.
C'est donc normal qu'il puisse percevoir, donner-lui l'argent qui est à ta résame. Et, regardez, là c'est aujourd'hui. Donc maintenant là, ils sont en train de négocier avec les commerçants que parce que normalement quand la mairie te cède la gérance de la zone, c'est toi qui dois t'occuper de la voirie. Déjà ça fait un autre problème parce que tu vas mettre des agents de la mairie payés pour ça, les agents de voirie de la mairie. Tu les mets carrément au chômage. Tu les mets au chômage parce que tu confies la gérance de cette zone là, qui est une zone de beaucoup de transit. Les gens jettent les sachets quand ils montent, les gens font beaucoup de choses. Tu jettes, tu abandonnes cette zone dans le nettoyage. C'est-à-dire que les gens de la mairie vont voir que toute la zone-là, on ne nettoie plus. Donc, ils sont assis au bureau. La mairie les paye pour le travail qu'ils ne font plus. Et du coup, c'est le concessionnaire à qui tu as attribué le marché qui a fait le nettoyage. Mais lui, il va chercher qui? Il va chercher des frères à lui, à qui il va donner 1000 pour dire que venez maintenant balayer. Et eux, ils doivent voir les commerçants. Mais la question, c'est quand ils vont voir les commerçants, écoutez les commerçants qui disent que mais finalement, comme vous avez la gérance et que vous dites que vous allez nettoyer, c'est cadeau. Là, vous voyez que c'est pas clair. La réponse n'est pas claire. C'est plus cadeau. Alors qu'il est censé le faire avec l'argent. Et c'est quoi 1000 qu'il doit dépenser pour nettoyer? Sur les 700 000 qu'il gagne. Troisième question. Ce gars-là, il a les papiers. Il a les papiers, le petit là. Il a les papiers pour être effectivement quelqu'un à qui la mairie peut déléguer la gérance de ça. Parce qu'il faut être une société constituée hein, avec une capacité de gestion de ce genre de choses, gestion du trafic. Et nettoyage en même temps. Donc, il faut avoir les statuts, c'est-à-dire que tu dois être enregistré avec, soit tu prends un prestataire qui va venir faire le nettoyage, pas les gens debout, un prestataire de service enregistré qui doit payer justement ses impôts et taxes. Parce que là, tu es dans un contrat avec une municipalité. C'est plus les choses du quartier. Est-ce que c'est ça que vous voyez là? Que quelqu'un vient négocier debout, qu'on nettoie, on ne nettoie pas, on fait... Oh. Et ça, c'est le désordre qui est fait depuis la mairie centrale, par Madame Doutoum. Est-ce que comme ça, c'est bien? Est-ce que comme ça, c'est bien? Le gars qui est en vert là, c'est, il se présente comme le travailleur de Piti. Le Piti, le gars que je vous avais vu en rose là. C'est ça ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que comme ça, c'est bien? Madame la mairesse, je vais afficher la photo de la mairesse. Parce qu'elle en a besoin. Je vois vos commentaires. Continuez de partager le live. Donc, je montre. Voici la mairesse de Libreville. Christine Ndoutoum, en français, l'arc-en-ciel. Pour ceux qui ne savent pas, Ndoutoum, c'est l'arc-en-ciel. Donc, c'est la mairesse arc-en-ciel de Libreville. Lui, voici, je partage mon écran. Voilà, on avance dans les news. Hein. Maintenant, on est à Madame Ndoutoum. Elle est là. Lui voici. Voilà, Madame Ndoutoum, que j'affiche les, comme on dit, que j'affiche la photo. Est-ce que comme ça, c'est bien ce que tu fais? Non, c'est pas bien. Donc non, faut changer. C'est bad. Hein, c'est pas sérieux. Bon, j'arrête là, j'avance. Sachez que ce n'est pas le seul cas de concession qu'ils font. Ils font la concession pour tout. Ça veut dire que j'ai même les papiers là. Pour la concession sur l'exploitation, je vais vous montrer. L'exploitation des... Chaque année, hein, les gars là font des trucs comme ça. Chaque maire. Et malgré les dénonciations, parce que vous privez la mairie d'argent. Et vous faites un double problème, je viens de l'expliquer. Je vais d'abord vous montrer le truc du gars là. Parce que c'est important. Voilà les papiers. Voilà les trucs de la concession en question. C'est là. Piti,
Hein? Ayez pitié. Continuez de partager, on est toujours là. Soyez chaud là, soyez chaud, soyez chaud. Continuez de partager là. Voilà, c'est là. Regardez. Donc, ça c'est le document dans lequel on rappelle les dispositions légales, machin, vu le décret, vu le truc, vu machin, vu la loi organique, nanani et nananer. Voilà. Et après, on va arriver à la partie où on va concéder le oué au frangin. Au frangin petit. Hein? Je vous montre. Les choses de la honte. Voilà, c'est là, je zoome. J'espère que vous voyez mon écran. Voilà, regardez. Ça, c'est par rapport à une autre concession dont j'ai les informations. Je vous montre d'abord pour le frangin petit. Ça, c'est encore aujourd'hui. Hein. Voilà, ok. Donc, je vous montre d'abord pour le frangin petit. Comme ça, nous tous, on va avoir, on sera au rendez-vous. Voilà, pour le frangin petit est là. C'est sur ma page. Vous allez sur Stéphane Zeng, la page. Vous allez voir la publication que j'ai faite ici. Et vous voyez, dans les documents là que j'ai affichés, il y a tout qui est là-bas. Hein? On dit toutes les conditions et j'ai rappelé déjà ces conditions tout à l'heure. Maintenant, je vous disais qu'il y a, il y a les mêmes choses pour le débarcadère. Ah, non. Excusez ma voix. Bon, vous voyez, c'est ce que je disais, qu'il y a des gens qui arrivent sur le live après, ils vont demander que qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le problème? Ça va venir. Ça va venir, hein? Ok. Attendez. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il y a la même chose, les mêmes ouais sur les concessions de débarcadère. Je vais vous dire exactement les montants. Parce que c'est des trucs, c'est faramineux, c'est abusé. C'est abusé. Regardez, écoutez bien. Donc, pardon. Pour le débarcadère, il y a le même contrat qui courait, hein, qui, je crois qu'il a été renouvelé. Et dans ce contrat du débarcadère, on dit ceci. Écoutez bien. Les fumoirs à gérer. Les fumoirs à gérer au Gabon, à Libreville en tout cas, qui sont gérés par la mairie de Libreville. Ça, c'est à côté, hein, les fumoirs. Il y a exactement à Libreville à gérer, on va dire, 200 fumoirs. 200 fumoirs à gérer. Et la personne qui gère les fumoirs doit percevoir 1000 francs. Par fumoir par jour, 1000 francs. C'est-à-dire que quand l'État délègue à un individu tiers, la gestion des 200 fumoirs, quand la mairie délègue, la gestion des 200 fumoirs, c'est à raison de 1000 francs par fumoir par jour. Ça fait donc 200 000 francs qui rentrent par jour, rentrent par jour. 200 000 francs. Calculez-moi combien ça fait par mois, 200 000 francs jour. En 5 jours, on est à combien? 1 million. Que la personne va percevoir, hein? 1 million. À la fin du mois, on est à combien? Allons-y, faut pas me fatiguer. Je veux que vous fassiez les maths. Fin du mois, 30 jours. 200 fumoirs à gérer par jour. Tu perçois combien? Allons-y. Ça, c'est pour ceux qui ont du débarcadère, hein? Et vous gérez comme ça là, c'est... Faites le calcul. Je suis là, j'écoute. Gestion des fumoirs. Au fumoir, il y a les débarcadères, au débarcadère, il y a les fumoirs. Il y a 200 fumoirs à gérer. Quelqu'un a fait le calcul, regardez. Il nous dit, ça nous fait l'équivalent de 30 millions. 30 millions par mois. Vous savez combien la personne là doit verser à la mairie? 500 000. 500 000.
500 000. Qui est à ta raison? Christine Mba Ndoutoum Arc-en-Ciel. Est-ce que tu peux venir nous expliquer pourquoi vous faites des choses comme ça? Vous ne pouvez pas laisser les étudiants gérer les débarcadères, les chômeurs du Gabon. Au lieu de les envoyer faire taxibus, voici l'argent qui est versé. Ouah. Ils doivent seulement gérer les fumoirs. C'est pas qu'ils entretiennent, c'est rien. Ah, quelqu'un écrit quoi? 6 millions. Donc c'est quoi? 1 million tous les 5 jours. 1 million tous les 5 jours multiplié par 4. 30 jours, ça fait 6 millions, c'est ça. 6 millions, calculons. Donc, un ange empoisonné, c'est pas bon. Le calcul n'était pas bon. Voici le bon calcul. 6 millions chaque mois. Sur les 6 millions, ils ne donnent que 500 000. 500 000 à la mairie. 500 000 à la mairie. Est-ce que c'est sérieux? Faut faire les calculs mentaux, hein. Faut pas me faire travailler ici là cadeau. Vous aussi, vous êtes sur les lives, donc faut venir calculer. Vous n'êtes pas là pour venir consommer. Ça veut dire quoi? Le mauvais cœur, le MCD, c'est pas sérieux. Bon, je prends ça, je ferme. Je ferme la parenthèse. Nous reviendrons sur d'autres sujets. Alors, samedi, il y a un live très très spécial. Parce que là, il y a une enquête en cours. Là, on est en train de finir les recoupements. On est en train de finir tous les recoupements en ce moment sur l'enquête qu'on va faire. Une enquête terrible sur la partie sombre des arcanes, de la gestion de la jeunesse, des faits de société qui touchent en même temps au placement, en même temps un peu à la pédophilie, en même temps un peu à l'homosexualité au imposé, en même temps les arcanes du pouvoir, des hommes de pouvoir, ce samedi. Ce sera sur la page du Badocan, mais on va faire ça sur mon espace aussi. Donc c'est sur le... C'est sur ce StreamYard là. On va faire ça sur plusieurs pages en même temps. Hein, comme samedi dernier. Mais là. C'est avec des audios, des machins. C'est vraiment tout est... On est en train de finir de recouper. Parce que là, on a décidé de faire une fusion. Hein. Badocan en chef et moi, on fusionne. Comme il disait lui-même, c'est la fusion à la Sangoku. Donc, ça fait je ne sais pas quoi là. Vous-même, vous connaissez les trucs là. Moi, je n'étais pas dedans. Donc, ce samedi, on a un live vraiment très important. Il faudra être présent. On a presque fini. Maintenant, je vais parler d'un sujet. C'est le résumé de ce qui s'est passé samedi dernier. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Samedi dernier, on a eu un très grand live. Excusez-moi pour la voix. On a eu un live très important auquel vous avez participé. Nombreux. Je reviendrai sur les shows de la mairie hein, pour me poser des questions bien poussées. C'est 6 millions par mois. C'est pas, il faut même pas discuter beaucoup. Donc, je vais dire ceci. J'ai été agréablement surpris de voir le nombre de Gabonais qui ont suivi le live, là. Et c'était très bien. Le nombre de Gabonais qui ont suivi ce live de bout en bout. On a parlé de réagir. On avait comme invité Boom Pins. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? On avait comme invité Boom Pins. Et pour parler de réagir, on s'est dit que, il fallait quand même inviter une personne de réagir elle-même. Donc, c'est comme ça que Boom Pins est venu défendre, réagir. Samedi prochain, regardez seulement sur la page du Badocan. Mais j'aimerais revenir sur quelques points de ce live qui est passé. Excusez-moi, ma voix est vraiment cassée et puis j'étais fatigué toute cette semaine. Donc, si vous voyez que je suis encore un peu fatigué, c'est un peu ça. Mais quand même, je voulais faire ce live avant celui de samedi. Parce que sinon, on va ajouter quelque chose dans quelque chose. Et puis, j'ai encore un match de foot samedi là ou dimanche. Je pense que c'est dimanche. On avait match samedi l'autre semaine. Donc, je vais ménager ma voix, je ne vais pas faire trop de live, je ne vais pas trop crier. Alors, je finis donc là-dessus. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir. Donc, on va mettre à 22h, hein, mais je vous dirai entre 21h30 et 22h, il y aura une affiche. Ne vous inquiétez même pas là-dessus. Beaucoup de personnes sont venues me voir après le live et ils m'ont fait des remarques très pertinentes qui nécessitent donc que je fasse le point de certaines choses. Je vais commencer par le participant Boom Pins. Donc, Boom Pins lui-même nous a proposé de participer. Et à ce titre, donc, il a voulu que ça se fasse sur ma page et que je joue le rôle de modérateur. J'ai déjà expliqué c'est quoi un modérateur, je reviendrai pas là-dessus. Donc, c'était aussi ma responsabilité de veiller à ce que les vérités soient dites et non des mensonges et de revenir sur des faits. Être modérateur n'a pas dit que je n'ai pas le droit de donner mon opinion.
hein. Mais pour les prochains lives, parce que d'autres personnes nous ont déjà vus pour parler aussi de leur partie, on va choisir un autre modérateur parce que je peux pas me cantonner au rôle de journaliste, ça n'a pas de sens. Si j'ai envie d'apporter aussi mes lumières, c'est pas en tant que journaliste. Donc il y aura des modérateurs vrais vrais et nous on sera comme des intervenants, comme des chroniqueurs. Donc ça c'est une première chose à savoir. La deuxième chose c'est que chaque parti politique qui va s'engager aux élections devra se plier au même exercice s'ils le veulent. Celui qui ne veut pas, c'est pas grave. Vous ne venez pas sur notre profil pour parler, c'est pas un problème, vous avez le droit. Mais nous aurons aussi le droit de parler de vous avec nos éléments, avec nos informations. Le mieux donc, c'est de mettre en place un contradicteur, celui l'idéal. Ça, c'est une chose que je dis, je mets de côté. Bon, pendant le déroulé, beaucoup de choses se sont passées très bien et beaucoup de choses se sont mal passées. Ce qu'on va corriger prochainement, c'est le temps de parole. Il faut un temps de parole un fixe par intervention et puis et faire parler plus l'invité. D'accord? C'est très important parce que l'invité, c'est l'invité. Et on aura nos chroniqueurs, on va briefer, on va travailler. Si vous êtes un parti, vous avez un projet de société ou un programme de société, vous nous envoyez avant. Bon. Une fois que c'est dit, ça, c'est les petites parenthèses. Revenons maintenant sur réagir. Félix Bongo, je vais te parler à toi-même. Non, je vais commencer par ce qui s'est passé ce soir. Quand j'essaye de raconter l'histoire de réagir, j'ai été bloqué par le grand frère Boompins. Parce que il voulait pas que je parle parce qu'il se disait que non, moi je suis neutre, je n'ai pas le droit d'expliquer des choses. Et on m'a dit quelque part, que non, en tant que tel, oui, par rapport à Laurence Dong, etc. Première chose, en tant que moi, Stéphane Zeng, je suis moi. Laurence Dong n'est pas Dieu pour moi. C'est pas Dieu. Hein? Même si c'est une personne de ma famille. Oui, Stéphane de Lima, contacte-moi une bosse, mon petit. Tu vas être modérateur. Laurence Dong n'est pas mon Dieu. Laurence Dong, c'est une personne qui est un être humain doté de facultés intellectuelles très poussées que vous connaissez déjà. Donc, à partir de ce moment, voilà. Hein, je la respecte beaucoup. D'ailleurs, c'est même pas avec elle que j'ai commencé la résistance, j'ai commencé avec quelqu'un d'autre. Donc, je peux avoir mes dissensions, mais je me suis allié avec elle parce que j'ai vu que c'est une personne qui était engagée, librement engagée depuis 2016 et qui défendait la population gabonaise. Ce, d'ailleurs, au même titre que Boompins. D'accord? Donc, à partir de ce moment, moi, j'ai pas de problème. Celui qui est engagé, il est engagé. Je ne parle donc pas au nom de Laurence Dong. Pour ceux qui viennent me voir en mode, oui, comme tu es parent de Laurence Dong, machin, je ne suis pas la bouche de Laurence Dong, je ne suis pas les oreilles de Laurence Dong. Elle et moi, on se retrouve sur notre combat. Et je crois que j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour elle, comme vous tous. Parce que j'ai vu son intégrité dans son combat, sa pugnacité dans son combat, sa détermination dans son combat. À partir de 2016, ce qui a d'ailleurs fait en sorte que la coalition pour la Nouvelle République la prenne comme porte-parole à ce moment-là. Et que jusqu'à aujourd'hui, elle défend toujours, elle est toujours du côté du peuple gabonais. Donc ça, je prends, je mets de côté. Bon. Donc ça, c'est des petites attaques à deux balles. Je ne sais même pas à quoi ça sert, mais je suis déjà habitué. Revenons au cœur du sujet. Quand Boompins dit, mais Stéphane, tu n'es pas capable de parler de Laurence Dong, mais tu viens faire un live sur... Bon, moi je me dis quelque part, c'est parce qu'il se sent piqué, quoi. C'est pas un problème. Mais j'ai envie de dire que le jour où vous allez me démontrer que Laurence Dong a fait des détournements, que c'est un individu qui a été au haut sommet du pouvoir gabonais et qu'à ce titre, elle revient pour demander votre plébiscite, moi, je vais tout de suite, je vais faire un live sur elle. Tout de suite, hein. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si vous me dites Laurence Dong, c'est une bongo qui a profité des bongos et qui a toujours revendiqué qu'elle était une bongo et que maintenant, elle revient pour plébisciter, pour demander votre plébiscite, alors que Jean Ping s'est affirmé, il est proche de Bongo, il a toujours été avec Bongo, il a fait des enfants avec Bongo, et que quand même, le peuple gabonais, et je le comprends, s'est dit que s'il nous propose le changement, on va s'allier avec lui, quand même, lui, on l'a choisi à ce titre-là, et c'est pas mauvais, parce qu'ils ont le droit. Là, on n'est pas en train de parler des mêmes choses. On est en train de parler d'un parti qui cache quelque chose, qui veut nous monter une façade. C'est de ça dont on parle. Et ensuite, on va parler des dessous, des gens qui sont cachés derrière. Faut pas mélanger les débats. Donc, faut pas mettre les torchons, les serviettes dans le même panier. C'est pas bon. Ça, c'est très, très important. Ok? Donc, c'est très important. J'avance dans mon argumentaire. Alors, je vais finir l'histoire que je voulais raconter quand même. Je vais la finir. Parce que c'est très important que maintenant j'aille au fond de réagir là tout de suite. Lorsque les Félix Bongo, quand l'argumentaire qu'ils ont, c'est qu'il y a deux bongos au Gabon. Il y a les bongos Ndimba et puis il y a la branche des Martins, là, les bongos Ayuma. Et maintenant, même ils disent qu'il y a une troisième branche, c'est les bongos Valentin. Allons-y là-dedans. Et je leur demanderai de venir me répondre si j'ai dit des conneries. Excusez-moi, quand la branche des Martins Bongo et des autres là ont fait carrière au Gabon, c'est au titre de quoi? Ils étaient tous bongos, non?
Non, c'est pas une polémique inutile parce que les gars là, les Félix et autres disent que je les ai attaqués et que je les attaque inutilement. Je veux qu'ils viennent répondre. Je ne veux pas m'arrêter parce qu'il faut absolument que je termine ce que j'ai pas dit samedi vu qu'on m'a pas donné la parole. Maintenant, s'ils veulent un contradictoire pour venir parler, c'est quand même mon live, donc c'est un espace où je dois parler. D'accord? C'est très important pour moi de préciser les choses. Et pourquoi je vous dis qu'il y a un problème, c'est parce que je vous ai expliqué lors du live sur le Go et Vindo. Qu'en réalité, il y a une scission dans le PDG. Une partie du PDG a été récupérée par Sylvia. Une autre partie du PDG a décidé de relancer les affaires au travers de réagir. Je sais de quoi je parle. Et je dis ce que j'ai à dire. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir me contredire. D'accord? Donc, comme Sylvia, vous avez vu que Sylvia a vu qu'elle était déchue par le Haut-Ogooué. Comme elle est déchue par le Haut-Ogooué, elle a décidé de se focaliser maintenant sur le Go et Vindo. Regardez bien. C'est pour ça que maintenant, vous allez voir le secrétaire général exécutif du PDG, une personne de Logo et Vindo, et il y a beaucoup de personnalités en dessous qu'elle a mises en haut. D'ailleurs, Michael Moussa de Logo et Vindo est passé ministre des Affaires étrangères. Vous savez que le ministère des Affaires étrangères est celui qui gère la diplomatie et les relations internationales aux approches des élections. Donc là, ils ont mis un fidèle des fidèles qui est de Logo et Vindo. Et pour faire plaisir à Michael Moussa, ils ont dézingué Prisca Kouo. Prisca Kouo, qui est l'opposant direct de Michael Moussa dans le Go et Vindo, parce que il y a quatre personnalités dans le Go et Vindo qui se disputent le leadership de le Go et Vindo. Vous avez le clan Kouo, donc Paulette et Prisca Kouo. Vous avez le clan de Bidébinzé, mais lui, il est déchu, donc il est même pas soutenu par les fans, c'est ce qui est écrit dans le document, donc lui, on le met de côté. Vous avez le clan comment il s'appelle, Michael Moussa, et vous avez Lee White, mais Lee White n'est même pas considéré comme un gars du game. Lui, il est là en autre chose. OK? Donc, allons-y là-dedans. Du coup, lorsque Michael Moussa est promu, parce que c'est à cause de Michael Moussa aussi qu'on vire un Boundou Mouyakou. Michael Moussa a fait nommer quelqu'un proche de Boundou Mouyakou sans le consentement de Boundou Mouyakou dans le ministère de Boundou Mouyakou. OK? Et comme Boundou Mouyakou s'est plaint, parce que je pense que c'était en mode on place quelqu'un pour le suivre ou pour récupérer des docs, je ne sais pas trop quoi. Quand il s'est plaint, l'affaire est montée. Je pense qu'il y avait déjà un contentieux en fait. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé ça. C'était la raison de trop. C'est pas la raison principale. Mais comme ils voulaient déjà le virer depuis, et ça ils avaient raison, parce que de toute façon, c'est des vampires. Donc, le contentieux en question, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que Michael Moussa rentre en conflit avec Boundou Mouyakou à Nice. Et l'affaire est donc tranchée par qui? Par Sylvia. Et Sylvia donne raison forcément à l'ami proche qui est Michael Moussa, qui, le rappelons-nous, est aujourd'hui toujours ministre des Affaires étrangères et ambassadeur du Gabon aux États-Unis, cumulé. Donc, quand Sylvia tranche, on rappelle à Nissan Boumou Yakou, que sa famille, de toute façon, a soutenu les Farjon. Et qu'il était là par la volonté de Troisième. Puisque Troisième considère Boumou Yakou comme le mari, l'homme de sa vie, son mari de nuit de préféré. Donc, à partir de ce moment, il dit qu'en plus, tu as le problème maintenant avec notre personne de Logo et Vindo, celle sur laquelle on veut s'appuyer. Hein? Le monsieur Triumvirat, qu'on va amener maintenant aux affaires étrangères. Donc, on décapite finalement sa tête. Bon, sachant que Anicet et Fabrice Bongo se considèrent depuis toujours comme les héritiers d'Omar Bongo, de Mboronto et en même temps de Mboumbou Yakou, le trio qui gérait le Gabon dans les années 90. Donc là, on coupe la tête d'Anicet. Troisième ne peut pas sauver. On coupe sa tête. Donc du coup, ça donne encore plus de poids à qui? Ça donne plus de poids au ministre, à l'ancien ministre de la Défense. OK? Donc je vous explique que ce clash-là se produit au PDG. Le PDG aujourd'hui est réorienté vers le Go et Vindo, qui est la deuxième province qui vote massivement pour le PDG. Et la scission fait quoi? D'un côté, tu as les fils Bongo et le clan Bongo traditionnel. Et de l'autre côté, tu as maintenant les nouveaux que Sylvia veut placer avec les jeunes premiers là, la Nourdine Team et toute la clique. Donc là, aujourd'hui, Sylvia et le Haut-Ogooué et les Bongo sont en clash. Et il y a un autre dessous de ce clash dont je ne vais pas parler aujourd'hui. OK? Il y a un autre dessous de ce clash dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que je n'ai pas fini de collecter les informations, mais je reviendrai. Parce que c'est en lien avec d'autres personnalités. Bref. Donc les gars là décident quoi? Landry Bongo, Christian Bongo, Alex Bernard Bongo qu'on a viré récemment, vous avez vu vous-même, hein, le gars de Sito, Caroline Sito, je sais pas quoi, Sito là, celle qui fait toujours les tweets là, c'est son gars, Alex Bernard Bongo, on l'a viré
Ils sont rentrés dans l'opposition, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme Sylvia leur a enlevé leur gain, comme Sylvia leur a enlevé leur gain, ils ont décidé que non, ils vont se rallier aux gens qui sont au Congo pour pouvoir venir reconquérir le pouvoir des Bongo. OK? Ça, c'est, je vous explique les dessous de ce qui se passe récemment. Et comme Landry et Christian étaient déjà sous la coupole de Sassou, voilà, ils étaient déjà sous la coupole de Sassou, eh ben, ils décident de s'allier finalement avec Junior qui est là-bas parce que Junior aussi est déchu de Bali Bongo, déchu de Sylvia, avec Yacine, et crée donc un truc, une espèce de boule de feu là-bas. Mais elle n'avait pas encore de forme. Comment réagir rentre là-dedans? On nous parle de Réagir qui a été créé en 2015. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. Mais Réagir est une association de droit français. OK? Donc elle intervenait au Gabon en tant qu'association en 2015, non pas en tant que parti. Quelqu'un me dit, il faut, je ne sais pas de quoi on parle. Donc, 2015. Réagir est une association de droit français. Personne, si vous voulez là, personne ici là, n'a entendu parler de Réagir en 2015. La diaspora ne connaissait pas ce fameux Réagir comme on nous en parle. Ça existait, oui, mais c'est pas genre un truc dont tout le monde parle tout le temps. On savait que Félix Bongo, qui avait fui le Gabon, je vais expliquer dans quelles conditions tout à l'heure, avait créé une association. Et que cette association existait. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, à partir de ce moment, c'est une association. Mais depuis 1 an et demi, c'est un parti. Une association et un parti, ce n'est pas la même chose. Le parti est de droit français, intervenant dans le périmètre français, mais pouvant intervenir au Gabon en tant qu'association. Il n'y a pas de problème. Mais un parti politique, c'est un organe, un mouvement politique, qui peut conquérir le pouvoir et aller aux élections. Et cet organe-là qui est créé il y a 1 an et demi, à peu près, est un organe de droit gabonais. Le parti et les deux, et l'association sont liés, oui, parce que l'un a créé l'autre, mais le parti n'existe pas depuis 2015. Le parti est récent. Et ils ont donc fait leur congrès pour annoncer la création du parti. Alors, continuons dans le truc. Et donc, Félix Bongo, à un moment donné, puisque Ali et Pascaline ne veulent pas de lui au Gabon, je vais vous expliquer les dessous, puisqu'il faut parler des dessous. Il faut continuer de parler. Il faut poser les choses quand tu tapes. Si je mens, qui vient de me dire? Qui est Félix Bongo? Félix Bongo, à l'époque, a fait toute sa carrière en tant que Bongo. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir nier les Bongo. Parce que quand il était à la direction de la programmation et des règlements, à l'époque, il était directeur adjoint, c'est en tant que Bongo. Nous tous, on a su qu'au Gabon, il y a Martin Bongo, qui est le frère d'Albert Bernard Bongo. Et ils ont profité de ces avantages en tant que Bongo. C'est pas aujourd'hui, en 2022, qu'on va maintenant nous amener le Bongo de Mombet et le Bongo de City Sport. Vous avez profité des avantages en tant que Bongo, vous devez assumer d'être des Bongo. Ondimba, rajoutons Ondimba justement à cause d'un problème. Et je vais rajouter Bongo, ajouter Ondimba à cause d'un problème qui a été posé d'ailleurs par Félix. Félix est un des rares Gabonais qui, à l'époque, à l'âge de 16 ans, voulait déjà une Ferrari en tant que Bongo, profitant des avantages de Bongo. Martin Bongo, c'est pas Martin Ondon ou bien Martin Ndigou, c'est Martin Bongo. Partout où il passait, c'est avec le nom Bongo. S'il vous plaît, en 2022, ne nous amenez pas le débat de Bongo original, Bongo trafiqué. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Donc il était, Félix, toi qui es, là je vais te parler à toi parce qu'il y a un de tes amis qui s'est approché de moi pour me parler en me disant que non, je suis ton détracteur, je te vilipende. Je ne te vilipende pas, je ne suis pas un vilipendeur. Je raconte l'histoire telle qu'elle est. Donc tu étais à la direction adjointe des règlements. C'est-à-dire que c'est vous qui normalement déclenchez les paiements de l'État. En gros, c'est ça. Si je comprends bien. Et quand tu étais directeur adjoint là-bas, le directeur, c'était Jeff Bongo. C'est-à-dire que c'est une affaire de Bongo. Le directeur, c'était Jeff Bongo. Et le deuxième directeur adjoint, c'était Sosthène Ossougou. C'est vrai ou c'est faux? Vous étiez trois personnes du Haut-Ogooué, dont deux Bongo. Et tu étais très proche de Jeff à l'époque. Est-ce que jusque-là, ça va? En tant que qui? Est-ce que tu venais au travail? Non. Qui au Gabon te connaît comme un bosseur que tu vas dire qu'on t'appelle maintenant autorité? Parce que Félix, son nouveau nom, doit réagir sur autorité. Autorité, autorité, autorité. Autorité que tu es là. Quel jour tu es venu au travail? Et on a vu que tu as laissé une empreinte dans l'administration de l'État gabonais pour dire que tu n'as pas profité de l'avantage de Bongo pendant toute ta carrière. Quel jour? Je ne sais pas. Tu as fait comme tous les Bongo. Vous avez fonctionné pareil en tant que Bongo. Sauf qu'il se passe deux problèmes. Deux problèmes. Et c'est de ça dont je veux parler. Parce que il faut qu'on aille au bout des choses quand on en parle.
Moi, je n'aime pas quand on tourne. Il se passe deux problèmes. Le premier problème, c'est que Félix Bongo à l'époque, et je ne suis pas en train de trahir un secret, c'est une réalité, c'est pas moi qui invente, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Non, c'est pas de ce, je ne vais pas revenir dessus samedi, il n'y a rien là. Samedi, on va parler d'autre chose. Samedi, on va parler d'autre chose. Il se passe deux problèmes. Omar Bongo n'était pas d'accord que Félix Bongo sorte en même temps avec Fanny Anjoua et qu'il sorte en même temps avec Nita Bongo. Nita Bongo, fille d'Omar Bongo, et Fanny Anjoua qui est la fille d'Anjoua. Omar Bongo et Anjoua sont frères, même père, même mère. Félix, qui est censé être le cousin de ces deux filles, sort avec les deux. Non seulement il sort avec les deux à l'époque, voilà le problème qui amène Félix en exil, écoutez-moi bien. Non seulement il était censé être cousin des deux, puisque c'est l'histoire qu'ils ont racontée à tout le Gabon, et là on se retrouve avec un problème, c'est que génétiquement, comme il y a des problèmes, quand nous on parlait de ça, quand un vieux voulait dire que les bongos là, c'est pas les mêmes bongos, on disait tais-toi, parce qu'il fallait profiter des avantages. Mais après, là, c'est pour le mariage, là, on peut sortir entre les uns les autres. Du coup, la République ne comprenait pas que, mais comment? Même chez nous, quand on grandit que non, tu es le fils de la copine, de ta mère. Tu ne peux pas aller draguer la fille de cette copine. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Donc là, la République se retourne et même Bongo dit que non. L'alliance, la relation entre Félix et Nita était tellement avancée qu'ils en étaient à prévoir même un mariage. Mais Bongo n'était pas d'accord. Bongo a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Ok, nous ne sommes pas vraiment Bongo, ça c'est notre secret de famille, hein, d'accord. Mais on a tout fait en tant que Bongo ensemble. Donc là, ça va faire des ordres. Félix ne l'entend pas de cette oreille. Il voulait pousser ce mariage-là. Donc ça, c'est le contentieux en dessous. Ensuite se passe l'affaire des fourgonnettes. Évidemment, l'affaire des fourgonnettes a été le déclencheur de quelque chose. D'abord, il faut savoir que les fourgonnettes, Félix répond à cet appel d'offres alors qu'il est agent de l'État gabonais. Ça veut dire que déjà, il y a un appel d'offres pour acheter des fourgonnettes. Il lui répond avec d'autres sociétés et je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt? Au nom de quoi a-t-il pu répondre à cet appel d'offres? C'est parce qu'il était le frère de Pascaline qu'on l'a fait rentrer comme fournisseur de ces fourgonnettes. Pour information, quand il commence à se renseigner sur comment acheter des fourgonnettes blindées, la première personne à qui va demander, c'est à Opianga. Parce qu'Opianga avait des fourgonnettes blindées. Je raconte l'histoire. Je raconte l'histoire. Si je mens, qu'ils viennent me dire ici que je mens. Ceux qui connaissent l'histoire-là la connaissent très bien. Donc, il rentre là-dedans. Il va d'abord demander à qui? À Hervé Patrick Opianga, que Opianga, donne-nous les fourgonnettes, s'il te plaît, vends-moi, je vais te donner le gain. C'était maintenant en mode, il faut livrer les fourgonnettes. Si je trouve un fournisseur, on va s'arroser entre nous. Opianga a dit non, moi aussi j'ai besoin des fourgonnettes blindées puisqu'Opianga fait le transport d'argent avec Vigiservice. Vous vous rappelez? Bon, il a dit que non, moi aussi j'ai besoin des fourgonnettes. Il a demandé à Opianga les contacts. Quels sont les contacts pour aller acheter des fourgonnettes? Opianga lui a donné les contacts. Il allait regarder. Ah, il a dit que non, c'est trop cher. Maintenant, il a trouvé les fourgonnettes avec son ami, son combi qu'on appelle Tito et d'autres l'appellent Davy, qui était son chauffeur à l'époque. Ils ont trouvé les fourgonnettes. Quand ils trouvent les fourgonnettes en question, les fourgonnettes, quand on va regarder le prix, c'était 150 millions la fourgonnette. Il en a acheté 8. Et il est venu donner un détail pour le paiement, donc une facture globale de 2,8 milliards pour 8 fourgonnettes. Vous-même faites le calcul, 150 millions la fourgonnette multiplié par 8, ça fait combien? On va faire le calcul, parce qu'il ne faut pas, moi j'aime pas, c'est des choses comme ça, il faut être terre à terre cash. On commence par la réalité de l'histoire. Donc, si je dis 150 millions, la fourgonnette, et je multiplie par 8 parce qu'il a livré 8 fourgonnettes, ça fait 1 milliard 2. Dans les 1 milliard 2, il est venu déclarer 2 milliards 8. Donc, il y a déjà une surfacturation. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Jusque-là, s'il n'y avait pas un problème avec les bongos, Ondimba, il n'y aurait pas eu de souci. Mais comme il était déjà un problème avec les Bongo Ndimba par rapport à Nita, et qu'il insistait, c'est Félix qui va sortir la phrase à Bongo. Quand Bongo lui dit que tu ne peux pas épouser ma fille, tu ne peux pas épouser ma fille, vous êtes censé être cousin, il ne répond à Bongo que vous êtes des faux Bongo. Félix, vous êtes des faux Bongo, les vrais Bongo, c'est nous. Les mots que vous entendez les gens de réagir prononcer aujourd'hui, ce sont les mots qui ont poussé Omar Bongo Ndimba à mettre Ndimba dans son nom. Écoutez-moi bien. C'est à cause de ces mots-là que Félix
dit à Bongo que vous êtes des faux Bongo, nous sommes les vrais, en gros on n'est pas parenté, puis vous êtes des trafiqués. C'est à cause de ça que Bongo dit, ah bon, donc je vais mettre je vais mettre Ondimba dans mon nom, puisque vous êtes en train de me chercher les pouces sur la tête. Je vais mettre Ondimba pour me réclamer de mon père, parce que vous êtes les autres Bongo. Et à partir de ce moment, il y a une haine maintenant entre les Bongo Ondimba et Félix, particulièrement, parce que Martin Bongo, il n'est pas dans cette guerre-là. Il fait sa vie tranquille, je pense qu'il est même malade en ce moment. Donc, je n'ai rien à dire sur Martin Bongo. Mais lui aussi, il a fait sa vie en tant que Bongo. Voilà comment donc éclate un contentieux énorme entre Félix Bongo particulièrement et la famille Bongo Ondimba. Tout part de là. Rajouter au fait qu'il sort avec deux cousines avec lesquelles il est censé être cousin, rajouter à la surfacturation, parce que 2 milliards 8 là, je vous dis c'est l'officiel. Il y en a d'autres qui parlent de 4 milliards, mais moi officiellement, c'est 2 milliards 8 l'affaire pour 8 fourgonnettes d'une valeur totale de 1 milliard 2. Je continue les informations. Quand Félix du coup commence à être traqué sur cette affaire, bien sûr c'est un règlement de compte entre eux, mais quand même il y a surfacturation. Ils ont l'habitude, mais quand même il y a surfacturation. Quand Félix Bongo commence son affaire, quand on commence à le traquer, ce qui va se passer, c'est que quand on fait des saisies du compte de Nita Bongo Ndimba, Bejeshi, on trouve 1 milliard déposé sur son compte, les 1 milliard, les fameux 2 milliards 8. 1 milliard était posé sur le compte de Nita. Un autre, ça empire le contentieux, on dit que, mais comment? Donc il frappe, il détourne, il fait la surfacturation, machin, c'est pas un détournement, c'est plutôt une surfacturation. Il fait la surfacturation parce qu'il a livré les 8 fourgonnettes. Il les a livrés. Ok? Bon. Donc tu fais tout ça, et tu laisses 1 milliard même sur le compte de Nita, à BGFI. Si je mens, qu'il vient me dire que je mens, on est là. Je vous raconte l'histoire parce que ça me dit, quand je voulais raconter, on m'a dit que ferme ta gueule. Et d'où la question, c'est de quoi on parle en fait exactement? De quoi on parle quand on nous dit, oh Bongo, c'est pas Bongo, machin, c'est pas machin, ok. Donc allons-y, continuons. Félix quitte le Gabon, il a un mandat d'arrêt international sur lui, émis par le Gabon. Il arrive en France. Quand il arrive en France, parce qu'il est sorti par des voies détournées, bon, tant mieux, parce qu'il risquait sa vie, c'est lui qui décide. Ah oui, il y a autre chose qui lui est reprochée spécifiquement par Ali Bongo. C'est le fait d'être sorti avec Joyce Sondoboyem. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je suis factuel. Joyce, si tu écoutes mon live, viens dire que c'est faux. Parce que toi et moi, on a déjà eu à échanger violemment sur d'autres comptes il y a 4 ans. Quand tu faisais tes oui avec Ali, je sais pas quoi là. Joyce Sondoboyem, la sœur de Jimmy Ondo, c'est qui a fait l'enfant avec Ali. Tu viens dire ici là que je mens. Faut venir, Zaha, on est vrai. Viens t'asseoir. Si tu n'es pas sorti avec Félix, et que c'est la haine personnelle qu'Ali a avec toi, avec Félix. On clame le sou, on continue. Voilà comment il arrive ici en France. Quand il arrive en France, le mandat international étant émis contre lui, il est interpellé, donc il est en état d'arrestation, il est arrêté. Et il est placé à la prison de Bois d'Arcy. La prison pendant quelques semaines, on va dire. Il n'est pas resté longtemps. Le temps de regarder le contenu du dossier. Et effectivement, la France se rend compte que bon, là, il y a un règlement de compte interfamilial. Et ils se disent qu'on va pas rentrer dedans. Mais quand même, il a été arrêté. Et quand même, il y a eu un mandat d'arrêt international. Mais du coup, on le libère en disant que non, le dossier est vide du point de vue de l'État gabonais. Puisqu'ils se rendent compte qu'il y a un règlement de compte. Voilà comment Félix rentre donc dans la procédure de réfugié politique. Jusque là, je ne fais que donner des faits. Je ne dis pas espèce de salopard, je ne dis pas ça. Je donne des faits. Voilà comment il demande l'asile politique. Il obtient l'asile et effectivement, il est en France. Il n'y a pas de problème. Il s'engage dans la résistance, il s'engage dans l'opposition puisqu'il veut dégager Ali. Voilà ce qui se passe à cause de ce que je vous explique. Et n'oubliez pas ceci. Quand vous demandez l'asile, au titre de la Convention de Genève. Voilà ce qui se passe. Quand on vous accorde l'asile, vous êtes gabonais, on vous accorde l'asile en France, vous ne pouvez plus officiellement revenir au Gabon. Tant que le régime en place est là, il faut qu'il y ait eu d'abord un changement de régime pour que vous puissiez revenir au Gabon. Or, Félix veut revenir au Gabon depuis, et je le comprends, c'est normal. Donc, à partir de ce moment, il se pose la question que comment je fais pour revenir au Gabon? Ben, la seule chose à faire, c'est soit de négocier. Parce que Jeff Bongo a essayé de négocier à l'époque avec Ali pour dire que non, pardonnez à Félix, machin. Ali a dit que laisse-moi ça comme ça. Laisse ça comme ça, ne parle plus de ça. Parce que Jeff et Félix étaient proches.
Donc, il comprend que bon, le seul moyen de rentrer au Gabon, c'est de faire tomber, de dégager Ali et Pascaline. Pourquoi pas? Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne absolument pas. Hein? C'est normal. Tout le monde a les intérêts qui convergent pour dégager le système. Donc, il était déjà en contentieux dur avec les Bongondimba, à cause de la fameuse phrase. Tous les Bongondimba, plus ou moins, le regardaient mal. Ils le voyaient comme un ingrat, comme un gars qui va amener la guerre dans la famille, alors qu'ils ont toujours affiché qu'ils sont frères, machin, machin. Mais quand Ali chute, et c'est là que ça commence, quand on vous dit un an et demi, deux ans, machin, quand Ali chute, ben, il y a quand Ali prend le pouvoir, il commence à mépriser certains de ses frères, les Landry et les Christians surtout, ou les autres, il commence à les mépriser. Pourquoi? Parce que lui devient maintenant Jig, et comme ils l'ont toujours mis en bas, parce qu'il était un enfant adopté, tout ça, tout ça, tout ça, lui aussi il commence à leur couper les vivres. Vous avez vu vous-même qu'à un moment donné, les deux là s'étaient retrouvés chez Sassou. Parce que Sassou est devenu maintenant leur refuge. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'image parce que il faut pas. Quand on parle, il faut parler avec preuve. Preuve à l'appui. Vous allez retrouver si vous tapez sur Facebook. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Je partage mon écran. Donc je vous dis maintenant la suite. C'est pour ça, pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez. C'est très important. Il faut comprendre la genèse du way. Ok? Regardez. Vous allez sur Internet, vous allez trouver pourquoi Ali Bongo a décidé de redevenir président à temps plein. C'est un article de Africa Intelligence. Et vous allez voir que dans cet article, on vous parle du rapprochement entre Christian Bongo et Landry Bongo. Regardez sur cette photo. Les deux sont à genoux devant Sassou. Et vous voyez Yassine qui est en position de mépris. Imaginez ces deux grands frères qui sont à genoux devant son grand-père. Et elle trône comme une star. Je zoome. Et c'est important. Regardez. Ça. Hein? Ça, c'est quand Ali leur fait ça d'eux. Ils trouvent refuge chez qui? Ils trouvent refuge chez Sassou. Ils viennent demander, oh grand Sassou, s'il te plaît, derrière, regardez Yassine. Elle est sur son téléphone en mode mépris. Genre, vous venez, c'est nous qui digons maintenant, quoi. Et donc, les deux sont à genoux pour venir demander, genre, en position en bas. Donc, on commence à réfléchir, puisque Sassou a toujours été convaincu que c'est Ali Bongo qui a tué Edith. Donc, Sassou a toujours financé l'opposition. Moi, je vous dis, les partis politiques au Gabon ne sont pas bien financés. C'est normal. Donc, Sassou a toujours mis son argent pour financer les partis d'opposition. Pas toujours en mode prise de contrôle, mais souvent en mode, Ali, c'est mon adversaire. Et il brime mes petits-fils. Donc, moi aussi, si je dois le faire tomber, je le fais tomber par tous les moyens. Et il n'avait pas son vrai cheval de Troie. Mais c'est aujourd'hui qu'il peut avoir un vrai cheval de Troie. Ah, écoutez-moi bien dans mon raisonnement. À l'époque, vous ne pouvez pas demander à Ping si Sassou l'a financé, il va vous dire non. Là où je vous parle, si Ping dit que Sassou ne l'a pas financé, c'est qu'il nous ment. Si Baron Chambouillet dit que Sassou n'a jamais financé, il ment. Si Nzouba vous dit que Sassou n'a jamais financé, il ment. Et c'est des jeux qui se font parce que Ali aussi a financé des adversaires de Sassou. C'est comme ça que ça se passe. Odeangema peut financer des opposants au Gabon puisque les partis ne sont pas financés au niveau de l'État. Tous les pays là, ils affaiblissent les partis pour que les partis ne puissent jamais aller à la conquête du pouvoir. Donc forcément, ils trouvent des financeurs ailleurs et chez les présidents déçus. Bon, lui, il est un peu comme il est là, il s'occupe déjà de ses ambazonnières. Donc voilà, tout ça là, voici une photo hein, qui vous montre le rapprochement qu'a eu Landry Bongo et Christian Bongo à genoux devant Sassou. À partir de ce moment, ça devient une aubaine. Ça devient une aubaine, n'est-ce pas? Ça devient une aubaine. Pourquoi? Parce que si on trouve un groupe de gens qui sont opposés à un même individu, ils peuvent déjà s'associer et s'allier. Mais l'affaire se complique encore quand Ali chute. Parce que quand Ali chute, ça devient pire pour le clan Bongola en question. Pourquoi? Parce que maintenant, ils dépendent de Sylvia. Et Sylvia, elle est imprévisible, elle est comme elle est, elle aime les blancs, elle aime les machins, elle a sa petite claque, ses petites clistes, les gens d'Océanie, les machins. Donc au fur et à mesure, on écarte les Bongo Ondimba pour les remplacer par les Bongo Valentin. Vous suivez? Voilà. On écarte les Bongo Ondimba pour les remplacer par les Bongo Valentin.
Et du coup, les Bongo Ondimba se retrouvent encore plus acculés. Aujourd'hui, Malika est un peu en tombage, ses oncles sont un peu en tombage, c'est plus comme avant. Parce que c'est vraiment Sylvia Tron. Vous voyez un peu? Donc c'est de ça dont il est question. Bon, je continue, j'avance. L'alliance naît donc au Congo pour reconquérir le Gabon des Bongo Ondimba. Les Bongo traditionnels, Bongo. Hein? Là, c'est même plus Bongo Ondimba, ça devient Félix plus les Bongo Ondimba pour reconquérir le Gabon qui est pris en otage par Sylvia. C'est de ça dont il est question. Ils essayent de prendre le PDG, mais le PDG est pris par Sylvia, c'est mort. Donc, il faut maintenant refaire un parti pour prendre d'assaut la nation gabonaise. C'est pour ça que vous voyez le plan de réappropriation. C'est pour ça qu'on a posé la question sur la réappropriation. De quoi vous parlez exactement? À ce moment-là, réagir donc, Félix Bongo commence à faire des allers-retours très fréquents avec le Congo. Il fait des allers-retours aujourd'hui même. D'ailleurs, si je mens, Félix, ça fait, tu n'es pas français, hein, tu n'es pas encore français, mais tu es revenu faire ta carte de 10 ans là en France, pourquoi? Là, récemment. Tu es revenu faire ta carte de 10 ans, pourquoi? Parce que tu es tout le temps au Congo, et du coup, étant au Congo, tu fais des allers-retours, même ta maison là, c'est plus toi qui habites dedans, il y a des gens que tu as laissé, oui, mais c'est pas toi qui es dedans, parce que tu es tout le temps au Congo. Pourquoi? Parce que vous étiez en train de construire ce projet, où vous vouliez placer Denis Omar, et toi, tu ne peux pas rentrer au pays, donc tu ne peux même pas être candidat. En plus, tu n'en as pas la carrure. Je suis désolé. Félix Bongo n'a pas la... C'est pas parce qu'on entend Félix Bongo, mais asseyons-nous un peu, parlons des choses du Gabon. Asseyons-nous un peu, parlons des choses du Gabon. La génération des gens qui ont été aux affaires en même temps que Félix Bongo, ils existent toujours, ils sont vivants. Un gars qu'on dit autant et tout. Aujourd'hui, là, la plupart des gens, ils disent que non, ils ne peuvent pas. C'est pas Félix Bongo qui va venir conquérir l'État gabonais quand même. C'est pas moi. C'est pas moi qui le dis, ce sont ses contemporains. Donc, il n'est pas vomi par Stéphane Zay. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Mais qui vous croyez dans le milieu politique gabonais va accepter qu'un Félix Bongo soit l'autorité, autorité qu'on dit. Ok, ils ont l'argent, c'est vrai. Parce que Sassou a dit ceci. Sassou a dit, on va laisser plusieurs chevaux courir. Et le cheval qui aura pris de l'avance sera le cheval sur lequel je vais miser le maximum. Et il a plusieurs chevaux. Un, vous avez déjà vu réagir. Il y en a d'autres qui sont cachés. C'est normal. C'est comme ça depuis. C'est pas nouveau. C'est comme ça. Je ne vous raconte rien. Donc, le fait que de réagir soit désingué, il y en a qui ont souri en dessous, qui se disent que ça nous laisse l'espace. Parce que c'est une association qui ne va pas forcément tenir debout. Ils ont pris tellement de gens différents à gauche, à droite, que ça va capoter tout seul. On n'a même pas besoin de faire longtemps sur réagir. Moi, je voulais juste vous expliquer l'origine et leur dire que soyez transparents pour que les Gabonais puissent adhérer. Si Sassou a multiplié ses chances, c'est bien parce qu'il ne vous fait pas confiance à 100%. Il a encore au moins deux candidats cachés. Au moins deux, je dis bien au moins deux, sur lesquels il peut miser et dire que eux, ils peuvent y arriver. Au moins deux. Donc, réagir là, c'est vraiment un truc qui se dit que bon, si vous pouvez tenter. Et derrière, ils savent très bien que le candidat qui veut effectivement faire revenir, c'est Junior. Et le programme est certainement de faire entrer Junior au Gabon en été. Parce qu'il faut compter que la nouvelle disposition électorale dit qu'il faut avoir fait dans les deux dernières années l'équivalent d'un cumul de un an à raison de six mois dans les deux dernières années. Nous sommes en 2022 et encore 2023. Donc pour être au Gabon et dans les temps, il faut venir au Gabon cet été. Ça veut dire que si c'est vraiment Junior, vous allez voir vous-même que ce sera là, il sera là cet été. C'était ça le programme. Mais sauf que là, comme on est en train d'expliquer, même pas d'exposer, d'expliquer la situation, eux, ils n'étaient pas prêts à cette communication. Juste, on veut que vous soyez transparents. Pourquoi vous n'avez pas réfléchi à que fait-on si les informations sur la réelle constitution de notre parti sont sur les réseaux sociaux ou bien sont connues du public, ce qui est normal. Vous deviez avoir ce plan-là au lieu d'aller chercher des activistes à gauche à droite pour venir nous contrecarrer parce que c'est ce que vous faites. Félix, tu fais ça à longueur de journée. Oh, il faut que tel activiste vienne défendre, réagir. Oh, il faut que telle personne vienne défendre, réagir. C'est pas sérieux. On n'est pas en train de vous défoncer. On dit juste une vérité, en fait. Et vous deviez avoir un plan pour expliquer pourquoi vous cachez les noms. Même le fait que Félix était derrière réagir là, vous avez caché ça. On a dû pousser pour que vous sortiez ça. Maintenant, c'est Denis Omar que vous devez aussi sortir, mais vous le cachez. Vous le cachez pourquoi? On ne connaît pas quoi, en fait.
Le même Félix qui dit aujourd'hui qu'il y a deux bongo, bongo au Gabon. Pourquoi tu t'allies donc avec Landry, Alex et les autres? Pourquoi tu t'allies avec eux? Comment tu peux venir dire ça? Et les gens qui sont en dessous là, sont là, ils savent très bien de quoi on parle. Toi aussi, dans ta famille, on connaît. Il y a quelques temps là, vous avez une réunion dans le Haut-Togo, il y a deux semaines, je crois. Vous aviez une réunion dans le Haut-Togo à propos de qu'est-ce qu'on fait de Frédéric, qu'est-ce qu'on fait de Yann Goulou. Tu crois qu'on ne sait pas quoi? Frédéric est sorti du Gabon. Frédéric est sorti du Gabon il y a une semaine. Hein? Il est sorti du Gabon parce qu'on l'a déchu. Vous avez vu, on lui a supprimé toute l'armée. Quand on a commencé à se, quand Sylvia a commencé à se venger de Frédéric, Sylvia plus Oligui, parce que le plus grand ennemi de Frédéric Bongo dans l'État gabonais, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est son plus grand ennemi. Donc les deux là se sont réglés des comptes et Oligui a gagné. Je vais revenir là-dessus, mais regardons, Oligui a gagné. À partir de ce moment, quand Frédéric voit ça, il se dit que ah, il faut que je me replie auprès de mes frères. Alors que l'ensemble là, il ne s'entendait pas. Frédéric ne s'entendait pas avec les autres. Il ne s'entendait qu'avec Ali. Les autres, elles ne le considéraient même pas comme un vrai Bongo. La preuve, il a été reconnu comme Bongo à titre posthume. Il a été mis dans l'héritage que après que Bongo soit mort. Je dis, je sais de quoi je parle. Ton acte de naissance original, il n'y a pas le nom de Bongo dedans. L'acte de naissance qui est ici en France, là. Il n'y a pas le nom de Bongo dedans. On t'a reconnu Bongo après la mort de Bongo. Par décision du tribunal, sur un temps de Pascaline et d'Ali. Je sais de quoi je parle. Donc, tous les Bongo te vomissaient. Sauf quand maintenant, on commençait à te traquer. Je vais vous montrer quelque chose. C'est-à-dire qu'il s'est rapproché d'Alex, il s'est rapproché de Landry, il s'est rapproché de Christian quand on l'a viré là de l'armée et qu'il a commencé à avoir des problèmes. Un peu avant. C'est aussi ça qui explique pourquoi on va même jusqu'au bout. Et d'ailleurs, le but, l'objectif, c'était que lui, il paye pour les crimes de 2016, les massacres de 2016. Pourquoi? Parce que la France et l'Union européenne, ils ont exigé qu'avant 2023, ils aient quand même fait tomber des têtes pour qu'on dise qu'ils ont purgé le contentieux électoral de 2016. Et il y a deux personnes qui sont ciblées, deux Frédéric qu'on avait déjà commencé sur sa tête. Mais il y a eu une réunion, et à cette réunion, il a été décidé qu'on ne pouvait pas quand même le mettre en prison, c'est un bongo, machin, machin. Et à partir de ce moment, il est sorti du Gabon, il est sorti comment? On lui a confisqué son passeport diplomatique, non? Le week-end là, quand Frédéric est sorti, il est sorti en tant que Français, oui ou non? Dans votre guerre là, entre vos deux clans, que vous, on ne sait pas quoi, attendez. Je vais vous montrer quelque chose qui vous prouve qu'il y a eu maintenant le rabibochage entre les deux clans, entre Frédéric et ses frères maintenant, parce que ce n'est plus seulement une histoire d'Alex et des autres par rapport à Sassou, tout ça. Maintenant, là même, il y a aussi... Je vais vous montrer ça tout de suite, attendez. Alex est devenu maintenant grand défenseur de Frédéric sur l'espace public. Pour vous dire qu'il y a eu tellement... Ils ont fait une association de vampireux contre d'autres vampireux. Je vous montre, je vous partage mon écran. Et quand on vous explique que non, il y a des alliances, il y a des acquaintances, on veut venir nous dire que non, c'est faux. Attendez, je vous montre. Allez sur le Twitter d'Alex Bernard Bongo. Il est là, je zoome. Vous allez voir, il a fait une publication le 22 mars. Quand on avait annoncé la radiation de Frédéric Bongo, il a écrit ceci. Félicitations, tellement cher de toi, mon lieutenant colonel. Ça, c'est quand il avait publié en accompagnement de ça, l'annonce de le passage d'examen de Frédéric. Regardez vous-même. Félicitations, tellement fier de toi, mon lieutenant colonel. Le mensonge prend dans sa soeur, la vérité, les escaliers. En gros, comme on a radié son frère chéri, que maintenant ils sont devenus chéri coco, alors qu'ils ne s'attendaient pas avant, maintenant il vient dire bravo sur les réseaux sociaux. Et il publie quoi? Il publie un décret, une mesure nominative du ministère des Armées de France, relative à quoi? Le brevet d'études supérieures attribué à un ensemble de personnes qui sont venues en formation ici en France. Parmi cet ensemble de personnes, on a lieutenant-colonel Bongo Ondimba Frédéric, originaire du Gabon. Donc en fait, il a eu un brevet ici en France et avec ce brevet-là, il voulait avoir une avancée pour devenir général après. C'était ça son objectif, qu'en rentrant au Gabon, comme Olivier est devenu général, comme son adversaire est devenu général, lui aussi va devenir général. Sauf qu'en arrivant au Gabon, on l'a supprimé de l'armée pure et simplement. Et voilà comment ce nouvel allié de grand frère de chéri vient écrire félicitations, tellement fier de toi, mon lieutenant, sachant que lui-là, il a été déchu récemment puisqu'on l'a enlevé à la neuf.
La neuf qui, où il tournait, sous Ali. Mais comme Sylvia, elle a repris le pouvoir et elle allait avec les petits, la team de comment il s'appelle, de Nourdine, la Nourdine team, et sa nouvelle team à elle, elle l'a virée. Elle l'a virée. Donc, ils ont créé un bloc de contestataires qui veulent à tout prix s'unir. Frédéric est maintenant dedans. Alex, allié. Christian Bongo, allié. Landry Bongo, allié. Comment il s'appelle? Junior Bongo, Yacine Bongo, et derrière tu as Sassou et Frédéric Félix Bongo à côté. Félix n'a même pas le même statut que les Bongo là dans cette affaire. Parce que Félix, c'est vous qui trompe. Félix, il vous trompe vous. Quand vous voyez que quelqu'un est capable de se mettre derrière Junior et que Junior lui considère qu'Alex et les autres sont ses grands frères, ça veut dire que Félix est le petit-fils de Alex et autres. C'est-à-dire que quand il faut une alliance, Félix n'a même rien à dire. La preuve, le président de réagir, c'est la personne de Christian. Félix est apparu comme vice-président. Et lui-même, il appelle à se mettre derrière, c'est Junior qui finance, en fait. Quand vous voyez ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit encore faire comme démonstration? Celui qui disait avant, il y a deux bongos. Ben, les bongos lui ont dit, oui, il y a deux bongos. Tu seras toujours la deuxième branche, la branche d'en bas. Nous, on sera toujours, on jiguera toujours. C'est toi qui es en bas. Mais comme on vous dit, comme c'est le message qu'il affiche en public, il y a deux bongos, et que les gens mordent avec ce message-là, c'est lui qu'on vient mettre devant. Que non, c'est pas le même bongo. C'est pas le même bongo, c'est un autre bongo. Si c'est pas le même bongo, vous faites quoi ensemble? Tu vois, pourquoi tu as mangé l'argent avec le nom bongo? Pourquoi? Excusez-moi. Je ne voulais pas beaucoup parler. J'aime pas quand... En fait, là, je n'ai pas encore raconté la création de Réagir au Gabon. Hein. Donc, Jude, tu vas venir sur le live. Et je t'avais dit l'autre jour que le président de Réagir n'est rien d'autre qu'un homme de paille. Vous-même, dans votre Réagir, là, vous savez ça. C'est pas ici, là, qu'il vous venez raconter des conneries. Et quand votre parti, là, va péter, ce sera pas à cause de nous. C'est à cause de votre mensonge et de votre fourberie. La fourberie que tu fais, toi, avec Félix. Votre fourberie, là, c'est ça qui vous tue vous-même. Vous croyez que vous pouvez être plus intelligent que qui, ici? Toi, Félix, quoi que tu peux manipuler qui? Parce que tu t'appelles Félix, tu peux manipuler les gens. Félix Bongo, même 50 ans sur cet espace-là, tu ne peux pas venir manipuler Stéphane Zeng, le préfet, ou même le Badoko, n'importe. Tu ne peux pas nous manipuler. C'est faux. Parce que vous êtes des petits manipulateurs, je ne sais pas comment vous faites. Et on doit vous parler comme ça. Entre vous, là, vous vous respectez, je ne sais pas qu'est-ce que vous respectez. Comme vous avez trouvé des rientons qui aiment l'argent, faites ce que vous avez à faire. Mais sachez une chose, c'est que Sassou lui-même sait que ce n'est pas sur vous qu'il doit compter. Et qu'avant de gluer le nom de Junior, il faut d'abord regarder ce que vous êtes capable de faire sur le terrain. Et vous êtes déjà là en train de bouffer. Certains d'entre vous ont juste envie de prendre l'argent pour les élections législatives ou les élections, comment on appelle ça, locales. Parce que vous voulez juste vous faire financer. Donc, quand on vous donne les petits 10-15 millions, c'est ça qui suffit pour vous pour venir maintenant porter le t-shirt, chanter les louanges à la bouche. Aucune cohésion, aucun plan de bataille. C'est seulement l'argent que vous mettez devant. C'est pas l'argent qui fait un parti. On ne crée pas un parti à un an d'une élection, un an et demi d'une élection, avec autant de disparités, sans une direction, avec un plan aussi caché, qui est facile à découvrir. Facile à découvrir. Vous pouvez cacher quoi au Gabon? Que les bongos nous ont caché des choses, on a découvert, mais vous pouvez cacher quoi concrètement? Quand je vais commencer à parler de la création de Réagir au Gabon, vous allez vous mettre où? Moi, je ne suis pas anti-réagir, hein. Je ne suis pas là pour démonter un parti, hein. C'est pas le but. Vous êtes dans les manipulations de la d'avant. Oh, on a pris un fan, on a mis devant. Et maintenant, vous laissez passer l'idée que Réagir, c'est un parti des femmes. Après, Réagir, c'est un parti de la diaspora. Après, machin, c'est quoi cette histoire? Arrêtez ça. Arrêtez la manipulation. Vous avez le droit d'être candidat. Vous avez le droit d'avoir un parti. Tant mieux même. C'est bien pour la démocratie au Gabon. C'est très bien. Mais dites juste ce que vous êtes. C'est tout. Arrêtez de cacher des choses. Même vous-même là. Il n'y a même pas de secret. Vous prenez les gens dans votre parti, des gens qui ne sont même pas capables de tenir leur langue. Dans votre propre parti, dans votre directoire, partout où vous êtes. Félix peut tenir sa langue devant qui? Même entre vous là, les gens là, vous tenez votre langue, vous commencez comment? Vous avez appris la confidentialité. Les gens que vous avez choisis sur le terrain là,
ils ont quelle espèce de confidentialité que vous avez dit que vous allez garder un secret. Si nous, on a pu découvrir les secrets de Sylvia, les secrets d'Ali, les secrets de Akondessi, les secrets de Farjon, votre secret là, vous allez tenir ça. Je ne comprends pas, les gars, arrêtez ça. Et quand je dis ça, je ne suis pas là en train d'essayer de vous détruire. Non. On parle, on dit les choses. Maintenant, Félix, si ce que j'ai dit est faux, si j'ai dit quelque chose de faux, tu viens me dire, parce que j'ai ton proche qui est venu me parler là, il a dit que non, il pouvait me donner ton numéro pour que tu viennes donner ton contradictoire. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Après quelques temps, après, il me dit que non, finalement, tu ne veux pas donner le numéro parce que tu es proche de Laurence, tu as été proche de Laurence, donc Laurence sort où dedans, mon frère? Tu veux venir parler, tu es un frère, viens parler, tu es un frangin gabonais, on est tous gabonais, tu as le droit, tu veux venir dire qu'on a dit des choses mauvaises sur toi, viens maintenant parler. Moi, personnellement, si j'ai dit quelque chose de mauvais sur toi, je suis là, mon espace est là, tu peux même m'appeler, me dire que non, tu as menti sur tes trucs, je vais dire que j'ai menti sur quoi? Les fourgonnettes à 2,8 milliards alors qu'elles valaient 150 millions, que tu avais d'abord demandé au Pianga. Que tu sortais en même temps avec X et Y. Tu veux que j'aille même jusqu'au bout des sorties. Mais je ne veux pas rentrer dans... Tu as le droit, tu es un homme, tu peux sortir avec qui tu veux. C'est juste que j'explique une histoire, en fait. Je ne suis même pas rentré dans toutes les autres personnes où les gens t'en veulent à gauche, à droite, parce que, oh, il a fait ça avec X, il a fait... Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas mon problème. C'est quel grand? Il est quel grand? Achille Gauthier, ça vous dit qu'il est un grand... C'est vous qui considérez Félix comme un grand. Il se considère lui-même comme un grand. Quelqu'un qui veut manipuler à gauche, manipuler à droite, ça c'est un grand. Sois clair. Tu n'es pas un grand. Si tu veux qu'on te respecte, il faut être clair. Tu dis une chose à quelqu'un. Le lendemain, tu dis une chose à une autre. Le lendemain, tu dis une chose à une autre. Et les trois là, tu ne sais même pas qu'ils se parlent. Et quand ils se regardent, ils se disent que mais c'est pas ce qu'il m'a dit. C'est pas ce qu'il m'a fait. C'est pas comme ça. C'est pas machin. C'est quoi? Ça, c'est pas un jeu des grands. Cacher Junior, c'est un jeu des grands. Tu veux qu'on te respecte, tu caches Junior. Dans un parti. Quand on va lui tendre le micro, il va dire quoi? Quand on va tendre le micro à Junior, il va dire que ça c'est être grand. Soyez grand. On n'est pas obligé de connaître les secrets de vos fabrications, mais s'il vous plaît, on parle quand même de l'avenir d'un pays. On n'est pas en train de parler de machines. Des gens meurent au quotidien. Il n'y a pas l'argent dans les yeux. Je viens de montrer aujourd'hui quelqu'un qui s'est fait cisailler le ventre. Et vous venez parler de ça avec la légèreté. Tu viens cacher Junior. Tu viens dire que c'est machin. Tu viens dire que non, c'est pas ça. Oh, c'est une association. Oh, mais non, c'est un parti. Vous voulez même mélanger association et parti. C'est quoi votre problème, en fait? Et nous, on doit être là comme des dungués parce que soi-disant, oui, on est allié avec vous. Vous êtes allié avec qui? Soyez clair, on sera clair. Si quelqu'un vient me démonter ici, que ce que je dis est faux, moi j'accepte. Il n'y a pas de problème. Je suis là, il y a mon téléphone, il y a tout, je suis toujours là. Regardez, voilà l'autre qui dit que j'attaque. Je fais des attaques. Attendez, je ne comprends pas en fait. Bon, je finis là-dessus. Hein. Quand même, je me pose des questions sur le sens de ce qu'on appelle attaquer quelqu'un. Si tu dis à quelqu'un, voici ce qui a amené la création de ton parti. Voici ce qui t'a amené à l'exil. Par exemple, Boompins, il a quitté le Gabon. On a vu comment on le traquait. Si je viens dire demain que Boompins a quitté le Gabon parce qu'on le traquait, je suis en train de l'attaquer. Je dis un fait. Si je mens maintenant, c'est là où je l'attaque parce que j'invente une chose pour lui nuire. Mais dire un fait, dire que, par exemple, Boompins, c'est parce qu'il avait refusé la candidature d'Ali. Et qu'ensuite, il y a eu les attaques au QG. Et qu'ensuite, du coup, on l'a cherché. On a même arrêté ses frères. Et donc, il a fui là en exil. Si je viens raconter les faits là, c'est une attaque. Raconter que Félix, voilà comment il a quitté le Gabon. Voilà comment. C'est une attaque comment? Tu ne veux plus assumer ta vérité. Non, c'est important de répondre puisqu'on est là pour interagir. Mouvement de réagir. Mouvement des jeunes de réagir. Si vous avez des questions, il faut me dire. Je n'ai pas vu vos questions parce que comme je parle... Je ne vois pas vos questions. Mais je vous dis, vous allez exploser en vol tout seul. Et je ne vous dis pas ça à cause de vous. C'est parce que votre truc là, comme disait un gars là, j'ai voulu construire une relation, mais le Satan est venu, boum, il m'a volé le ciment. Vous voulez construire un parti, mais Satan est venu, boum, il vous a volé le ciment. Donc là, maintenant, vos briques vont danser avec le vent. Comme il y a beaucoup d'intempéries au Gabon, ça ne va pas tenir. Si vous aviez été clair, si vous aviez été machin, votre parti serait... Il serait vraiment construit. En plus, vous êtes tellement divers. Avec des personnes qui ont tellement
des orientations. Un va à gauche, l'autre va à droite, l'autre va au milieu, l'autre va au centre. Vous partez déjà avec un handicap de composer avec tout ça. Vous allez y arriver comment si vous n'êtes pas clair? Le peuple ne peut même pas s'associer à vous. Parce que ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas clair est flou. Et ce qui est flou cache un loup. Est-ce que je peux retrouver juste pour finir? Moi, je ne suis pas contre le fait de répondre. Ah non, faux, c'est le débat est démocratique. Donc, mouvement, machin de réagir, je sais pas quoi là. Écrivez les questions, je vais répondre. Et puis, je m'arrête. Mouvement, réagir, quoi. Écrivez les questions. Écrivez les questions, là, on y va. Mouvement, machin de réagir, là. Mouvement, jeune de réagir. Viens écrire. Ça donne quoi au Gabonais? Parler de Félix, mais attendez. Donc, toi, tu veux épouser quelqu'un. On te dit que, bon, la personne là est stérile. Elle a le VIH, mais en même temps, c'est une personne bien, elle s'est labourée, elle s'est plantée. Nous tous, on fait ça. Avant d'aller t'engager dans quelque chose, tu dois savoir. Maintenant, de le dire, c'est là où les questions bêtes arrivent que, pourquoi tu parles de ça? Alors qu'on veut savoir comment on fait partir aux lames. Mais si tu veux faire partir aux lames avec Félix, il faut déjà savoir si Félix est capable de faire partir aux lames. C'est là où les anciennes générations nous dépassaient. Parce qu'elles regardaient les postures. Et les nouvelles générations de dans les pays africains et dans nos pays, eux, ils regardent quoi? Ils regardent ce qu'on leur présente, les façades. Les vieux d'avant, ils regardaient bien. Ils t'analysent, ils te regardent. Yo, bulletin, est-ce que tu as les reins? Est-ce que tu as les reins? Et quand ils regardent, ils te sondent. Les vieux sondent les gens. Comme un peu Dieu, ils te sondent. Et une fois qu'ils te sondent, c'est là où on sait si tu vas avoir réussi ou pas réussi. Quand tu viens même épouser quelqu'un, on te sonde. On te sonde. Donc, à partir de ce moment, moi, je ne répondrai aucun live. Hein. Vous faites des lives, je m'en fous, je ne réponds pas. De toute façon, je ne réponds jamais au live. Là, je suis venu pour parler de réagir parce que c'était, il fallait repréciser les choses. Donc, je ne réponds même pas à vos lives. Par contre, si quelqu'un a une question, mouvement des jeunes de réagir, j'ai vu que vous étiez là, vous répondez. Quand même, je veux préciser quelque chose. Nous sommes dans un pays où ce qui nous a amené toujours aux échecs, c'est le fait de se tromper dans les choix des candidats. Parce qu'on on choisit des candidats souvent des mauvais critères. Et le jour où le candidat en question doit aller jusqu'au bout de son combat, il n'en a pas les moyens. Et c'est ce jour-là qu'on se rend compte que c'est trop tard. On te vend une voiture. Tu n'as pas expertisé, tu n'as pas fait le contrôle technique. Tu n'as pas regardé s'il y a un problème au moteur. Toi, tu regardes la carrosserie, tu dis que c'est une belle voiture. Voilà comment tu prends maintenant la voiture. Le vendeur signe les papiers. Tu payes les milliards. Le vendeur s'en va chez lui. Il quitte même le pays. Tu es là avec la voiture. Après, quand tu démarres, tu sens que il y a même pas le démarreur. Tu regardes le moteur. Le moteur est cassé en deux. C'est le jour-là que tu viens maintenant dire, j'avais mariage. Maintenant, ma voiture que j'ai achetée, c'est une fausse voiture. Elle n'a roulé que 5 km et puis elle s'est arrêtée. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Voici comment on sonde jamais le cœur de nos candidats. Moi, il y a trois critères, je vais les répéter avant de finir mon live. Avant de finir mon live, il y a trois critères sur lesquels on se trompe, mais sur lesquels on ne doit plus jamais se tromper. Premier critère pour choisir un candidat. A-t-il résisté à la corruption? 1. Si vous devez l'évaluer en indice de corruption, 0 étant très, très corrompu et 10, 0 étant très peu corrompu et 10 étant très corrompu. Quel est l'indice que vous lui donneriez? Par exemple, quelqu'un qui a déjà occupé les hautes fonctions dans le régime gabonais a déjà accepté les avantages de ce régime. À partir de ce moment, vous savez qu'il a tissé sa toile et que c'est difficile pour lui de se déraciner ou de combattre réellement le système. Parce qu'il a laissé des enfants dedans, des frères, des sœurs, des amis qu'il a placés quand il était aux affaires. Il ne peut pas les combattre lui-même. Il ne peut pas, il a trop à perdre. Et puis, il a construit tout un empire immobilier, des entreprises qui dépendent de la vie que l'État va donner dessus. Donc, l'État étant pris en otage par un clan, il faut se demander comment un individu comme celui-là est déjà rentré dans le système. Quelle est sa note dans l'indice de corruption? Sa note est proche de 10. Si vous le prenez, le jour où il faudra aller jusqu'au bout, il ne pourra pas. Parce qu'il va penser à ses enfants. Il va penser aux gens qu'il a placés. Il va penser à sa société. Et il a un niveau où il va s'arrêter. Il préférera même s'asseoir chez lui plutôt que d'aller là où il faut pour faire ce qu'il faut. Regardez bien, on a toujours fait ça. Amo, quand je dis indice, quand je dis corruption, c'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà rentré très profondément dans le système, donc qui en a été affecté. Amo était très haut dans l'indice. On l'a pris. Comment il s'appelle? Jean-Ping était très haut dans l'indice. On l'a pris. Mais c'est pas le seul. Prenons le deuxième indice. Acceptation des humiliations. C'est quoi l'acceptation des humiliations? C'est-à-dire que c'est une personne,
qui a accepté tout ce que le régime lui a imposé parce qu'il voulait des avantages. Quitte à travailler comme conseiller de quelqu'un qui ne devait pas. Quitte à aller à gauche, à droite, suivant leur bon vouloir. Quitte à devenir le larbin. Ça, c'est l'indice d'acceptation de l'humiliation. En général, pour qu'un individu soit au sommet de la nation gabonaise, il faut qu'il ait accepté aussi les humiliations. Donc, l'indice de corruption, que je vais appeler ça comme ça, et accompagne toujours au même niveau pour ces gens qui sont rentrés dans le système que l'indice d'humiliation. Parce que Bongo humiliait les gens. Parce que les frères et sœurs de Bongo humilient les gens. Quand tu viens, tu t'appelles Jean-Ping, par exemple, il te dit, ça c'est qui, le chinois là, machin. Il te parle avec dégain, mépris. Donc, tu as un grand niveau d'acceptation des humiliations. Tu as un grand niveau d'acceptation de la corruption. Déjà, sur les deux critères là, tu es élevé. Il reste un troisième niveau, c'est la répression. As-tu un grand niveau de refus ou de résistance à la répression? Là, maintenant, qu'as-tu la résistance à la répression? 0, ça veut dire que tu n'as jamais connu la répression. Jamais. Et 10, ça veut dire que tu as connu toute forme de répression et tu as résisté. Donc, on a déjà analysé sur deux critères, il reste le troisième. Prends maintenant les candidats qu'on a toujours choisis en général. À quel niveau sont-ils de cette troisième ligne de résistance à la répression? Quelqu'un qui a laissé ses affaires dans le système. Quelqu'un qui n'a jamais été inquiété. On ne l'a jamais emmené en prison. Vous n'avez jamais entendu. On n'a jamais même fait une arrestation. Rien. Les menaces, c'est toujours à la bouche que le système lui fait. Toujours les menaces à la bouche. À la bouche, à la bouche. Jamais ne sont réellement passés à l'acte. Certains. Je ne dis pas tous. Prenons Jean-Ping, par exemple. Lui, quand même, il a eu un certain niveau de répression. De 0 à 10. Calculons la résistance à la répression. Jean-Ping a-t-il été déjà en prison pour dire que lui, il a été prisonnier. Il a résisté. Il nous a démontré qu'il était à fond, à fond, à fond. Non. Mais par contre, on lui a fait une répression financière. On peut lui donner une note de 2 ou 3. Répression financière, on lui a fait une répression sur ses sociétés. Mais certaines de ces sociétés n'ont même pas fermé. Elles ont continué de tourner. Donc quand tu notes bien de 0 à 10, Jean-Ping est peut-être à 3. Là où Amo est peut-être au même niveau, ou bien il était à 2. C'est-à-dire que mauvaise note au niveau de la répression. Donc tu vois, corruption, pas bon. Acceptation des humiliations, pas bon. Troisième indicateur, résistance à la répression. Pas bon. On prend la personne, on la met comme candidate pour aller combattre les bongos. Après, vous êtes étonné. Et pourtant, à côté, il y a des gens qui nous ont montré. Je prends un cas. Mong Bading. Lui, là, vous allez le regarder avec l'œil de celui qui est pauvre, celui qui est comme un soulard, parce que les autres qui sont riches, ils ont volé, vous les adulez. Et les autres qui sont corrompus, vous les adulez. Les autres qui n'ont jamais résisté à la répression, vous les adulez. Mais les autres, mais ceux qui ont fait ça, ceux qui sont des vrais héros et qui auraient pu être des bons candidats, on les méprise. Voici ce qui nous trompe. Prenons maintenant l'indicateur. Je prends Mong Bading. Mong Bading, celui qui a dit le pays est par terre. Commençons par la corruption. Allez-y chercher dans les docs de Mong Bading. Si un jour vous allez entendre qu'il a pris 5 francs du régime Bongo, au contraire, les gens lui ont amené des mallettes d'argent. Il a toujours dit non. Indice de résistance à la corruption de 9 à 10. Entre 9 et 10. Ok? Allons-y. Deuxième indicateur, les humiliations. Combien de fois Bongo a voulu l'humilier. Il a dit que moi, je ne me fais pas acheter et tu ne me marches pas dessus. Je garderai ma posture. Je suis quelqu'un qui se bat pour le Gabon. Allez-y vous renseigner. Je prends juste Mong Bading, que vous méprisez au Gabon. Que vous méprisez. Et il est au plus haut de l'indicateur de résistance à l'humiliation, au plus haut de l'indicateur de résistance à la corruption. Bon. Troisième niveau, la répression. Mong Bading, on lui a tout coupé. On lui a tout coupé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent même se moquer de lui, il n'a rien. Il n'a pas bénéficié du système, il n'a jamais voulu voler, il n'a jamais voulu rentrer dans le truc, donc on lui a mis la corde du mépris au cou, que non, tout le monde doit le mépriser. Tout ça parce qu'il a été digne. On a failli l'assassiner, empoisonner à combien de reprises, enlever, amener jusqu'au Cap Estérias, sauver grâce à un concours de circonstances. Indicateur de résistance à la répression, peut-être proche de 6 ou 7. Échappé au crime rituel, Mélanie Moulongo vient d'ajouter, je connais cette histoire. Son proche collaborateur
avec qui j'ai discuté, que vous avez vu parce que nous avons fait une action à Bordeaux. C'est son plus proche collaborateur. Il vit ici, il est réfugié politique à Bordeaux. Ils ont tous les deux échappé au même crime rituel le même jour parce que Bongo voulait se débarrasser d'eux. Ils m'ont raconté que quand ils allaient au palais, parce que Bongo était obligé de les inviter, genre oui, venez pour démontrer qu'il y a le multipartisme, on va travailler sur les principes, la République, le machin. Ils étaient obligés de ne pas manger là-bas parce qu'ils étaient tout le temps menacés d'empoisonnement. On venait les chercher le matin, venez travailler maintenant, machin. Oh non, on va faire la conférence, machin. Et toujours, tu es là, tu te dis que ah, si je mange ici, je peux mourir. Donc, on arrive à quoi? On arrive à quelqu'un, on arrive à des candidats. C'est sur les trois critères-là qu'il faut analyser les gens. Pour 2023, s'il vous plaît, prenez chaque candidat qui va se présenter. Analysez, donnez-lui une note. Indice de corruption. Indice d'humiliation. Quand je dis corruption, c'est entrer dans le système. Le fait d'avoir bénéficié des avantages à un haut point dans le système. Plus c'est haut, plus l'indice est élevé. Indice d'acceptation des humiliations. Plus la personne a été haut dans le système, plus elle a accepté des humiliations. Parce que le système là fonctionne comme ça. Troisième indice, c'est la répression. Quelle répression lui a faite, vous avez vu? Je ne parle pas des choses qu'on a entendues. Vous-même, vous avez vu. Zibi, on vient de voir la répression. Landry Amer, on a vu la répression. Mangbading, on a vu la répression. Bobrik Bengalessi, on a vu. Regardez vous-même. Et quand vous allez analyser les candidats, vous n'avez pas besoin de venir suivre le live de quelqu'un. Ne venez plus suivre nos lives. Ne venez plus écouter ce qu'on a dit sur eux. Peut-être sont pas de leur programme politique. Mais pour choisir quel est le candidat qui pour vous peut aller jusqu'au bout d'une contestation de pouvoir face au Bongo. Analysez les, je dis bien, face au Bongo, analysez les trois axes-là. Prenez même depuis 2016, n'allez pas loin. Si vous voulez, vous commencez en 2009, mais il y a tellement de gens qui sont allés avec Ali en 2009, et Boumpis lui-même. Oh. Et il m'a cité Laurent Gong. Ben oui, toi-même, Boumpis, tu étais avec Ali en 2009. Donc, si on doit prendre un référentiel et qu'on prend 2009, toi-même, tu es exclu. Donc, commençons en 2016. Prenez juste depuis 2016. Prenez 2016, je vous dis de prendre juste 2016, allons-y. Ok? Donc, allons en 2016, prenez tous les candidats là, tous les hommes politiques, je dis même candidats, tous les hommes politiques là, analysez-les suivant les trois critères. Celui qui va sortir d'après vous avec la meilleure note, la note la plus intéressante, prenez-le et dites-vous qui peut aller jusqu'au bout. Junior Bongo, prenons Junior. Si Junior est candidat, prenons Junior. Je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'on appelle Junior Bongo à se présenter aux élections, à se constituer candidat, machin. Omar Denis Bongo Ndimba. Je vais vous montrer. Je vous montre quelque chose. Puisqu'on parle, on parle un peu, on parle vrai. Excusez-moi, maman, j'ai fait beaucoup longtemps nombreux. OK. Je vous montre quelque chose. Vous qui parlez de Junior Bongo, on va regarder son indice sur les critères que je vous dis là. Allons-y. Voici une société qui est détenue propriétaire par Junior Bongo Ndiba. C'est Junior qui est propriétaire de la SCI qui s'appelle Orchidée. Orchidée. Vous tapez juste sur Internet. Junior Bongo Ondimba. La société qui gère, c'est Orchidée. C'est une SCI. C'est une SCI qui lui appartient. Qui a été laissée par la famille. par la famille Bongo. Si je tape Junior Bongo, vous allez tomber dessus là. Regardez. Présidé par Monsieur Josum. Hein. Ça, c'est la SCI là. Comme on doit analyser, on analyse sur les trois critères.
Procès verbal de changement de gérant. Le 15 mars 2017, la société présidée par le représentant de M. Omar Junior Bongondimba, associé suivant sont représentés. 1. M. Omar Junior Bongondimba. Donc, il est actionnaire, propriétaire, à ce titre-là, sûrement avec sa sœur, mais là, c'est lui qui est indiqué, d'une société qui s'appelle SCI Les Orchidées d'Éden, immatriculée en France. Vous pouvez télécharger les documents de cette société directement en ligne. Je vous montre autre chose. Maintenant, quel est le capital de cette société? Puisqu'on parle ici d'un individu qu'on va évaluer sur, sur ses critères, pour savoir d'où lui vient son argent. Le capital de cette société est de 20 747 000 euros. 20 millions d'euros, ça fait près de 14 milliards de francs CFA. Junior Bongo, âgé de 31 ans, a eu cet argent d'où? Mais ça ne peut venir que de l'héritage de Bongo, donc de l'argent volé au Gabon, et de l'héritage de Sassou, parce qu'à 31 ans, il ne peut pas avoir une entreprise. Il va nous dire que ça, c'est l'entreprise que j'ai démarrée quand j'avais 10 ans ou 15 ans, et puis j'ai créé l'idée de la mort qui tue, comment nettoyer les océans, et ça m'a permis d'avoir un capital de 14 milliards, et du coup, j'ai créé une société immobilière en France. Donc, ça, c'est clairement le recyclage de biens mal acquis. Puisqu'il y a des procédures de biens mal acquis en France qui concernent le clan Sassou, le clan Bongo. Voici l'argent, voici la preuve là que ce gars-là est un recycleur. C'est-à-dire que il a hérité du recel des biens du Congo et du Gabon. Et c'est ce gars-là qu'on nous dit qu'il a un indice de résistance à la corruption qui est tellement élevé qu'on peut le prendre comme candidat. Et s'il a cet argent, c'est qu'il était très haut placé dans l'héritage des Bongo et des Sassou. Donc, il est très haut placé dans le système Bongo-Sassou. Ce qui est parce qu'au Congo, il a des sociétés que son père lui a affectées comme ça, qui sont des sociétés d'État qui gèrent ou qui sont prestataires de l'État. Excusez-moi. Donc, niveau de corruption très élevé. Corruption en termes de pénétration du régime et prise de position dans des régimes dictatoriaux. Niveau d'humiliation, ben forcément, aujourd'hui là, écoutez, ces systèmes sont faits d'humiliation. Les humiliations que Sassou fait subir aux gens au Congo, c'est les mêmes qu'on fait au Gabon. Donc, c'est des gens qui sont installés sur un système d'humiliation. La preuve, c'est que la photo que je vous ai montrée, regardez l'attitude de sa sœur. C'est les mêmes, ils sont cultivés pareil. C'est que les grands frères sont à genoux, toi, tu as assis, tu en as un à cirer d'eux. Ils sont pas dans le rôle là. Donc, deux critères. Et puis maintenant, répression. Bon, à part le fait que Ali ne voulait pas leur rétrocéder les biens de l'État gabonais. Parce que c'est pas leur argent, c'est l'argent. Je ne vois pas où Bongo a eu tout l'argent là. Il a eu ça où on va pas, c'est l'État gabonais. Bon, et cet argent qui se dispute entre eux, c'est l'argent de l'État gabonais, c'est l'argent de vous et moi. Donc, ils se battent maintenant aujourd'hui que oh, tu m'as brimé l'argent, tu nous as volé l'argent, l'héritage de maman. L'héritage de maman, maman a sorti l'argent là-dedans. Faut me dire si Edith s'appelle Edith Dangote. Paix à sa mémoire, paix à son âme. Mais c'était qui? C'était Dangote qu'on a vu qu'il a commencé dans le ciment et puis maintenant il est multinational. C'est ça que Junior est aujourd'hui. C'est ce que Bongo était. C'est ce que Sassou est. Quelqu'un qui a une multinationale parce qu'il a commencé dans le ciment et après c'est avec son propre argent, il a développé des sociétés. Bien, c'est le recyclage de l'argent volé. Quand vous allez prendre quelqu'un comme ça, vous dites qu'il va combattre ses propres frères. Le jour où ils vont trouver une entente, que vous allez être là comme les Ebundé, vous allez encore venir dire quoi aux gens? Oh non, on n'a pas réussi, mais il ne faut pas suivre. Attendons encore 7 ans. Il va mourir là. Il va mourir là. Il va avoir l'ABC. On va sortir les prophéties. Ah, prophétie. Oh, tel va mourir. Ne vous inquiétez pas. Voilà comment vous êtes. Et on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, en fait. Dire ça, c'est-à-dire que vous aimez quand on ment au peuple. Hein. Vous aimez quand nous, on se laisse avoir par vos mensonges et qu'on laisse tout un peuple se faire avoir. C'est ce que vous aimez. Avant de me demander quel est le candidat que je propose, moi, je vous interroge sur le candidat que vous voulez choisir. Je ne vous propose aucun candidat parce que je vous dis aujourd'hui que la question n'est pas sur le... Il y a plein de candidats proposables. Nous pourrions très bien nous dire, puisque Mang Bading, prenons le cas, hein, pourquoi pas? Puisque Mang Bading nous montre qu'il a toujours combattu ce système jusqu'au bout, le peuple gabonais s'associe. Chacun donne 1000. On est combien? Imaginons, il y a 1 million de personnes. 1 million de personnes qui donnent 1000 francs CFA pour qu'on puisse avoir un candidat qui a toujours été méprisé par le système parce qu'il est bon, qui est intègre, qui est digne et qui veut redresser le Gabon.
Bon, pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Pourquoi vous êtes toujours en train de poser la question? Tu nous proposes qui? On vous dit bien, voici les candidats qui sont très intéressants dans l'indice d'analyse. Voici les autres qui ne sont pas intéressants. Mais vous demandez encore, tu nous proposes qui? Pourquoi ne s'assoit pas? On dit, bon, chaque mois, chaque abonné va donner 1000 francs. Mon Badin va devenir président si c'est ça le problème qu'il faut pour la campagne. Pourquoi on ne dit pas, chaque mois, mon Badin, on va l'équiper, il va aller, et puis il va devenir président de la République, on va le voter. Si vous êtes capable de voter pour Junior, c'est mon Badin qui est homme digne, que vous ne voyez pas. Vous pouvez voir Junior toute votre nuit dans vos rêves, mais c'est mon Badin que vous ne pouvez pas voir. C'est Luc Bongo aussi que vous ne pouvez pas voir. Soyons sérieux un peu, les gars. Vous pouvez voir tout le monde, sauf les gens valeureux. Vous pouvez voir tout le monde, sauf on vous dit voilà, voilà, voilà. Mais encore, vous allez revenir derrière pour nous dire, finalement, le candidat qu'on a choisi, c'est un tel. Quand on analyse comme ça, on dit, mais lui, là, il n'ira pas loin. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous êtes toujours en train de vous poser des questions. Ça, ce n'est pas des questions normales. Vous voulez quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on veut en tant que Gabonais? On veut avoir un bon président qui défend les intérêts du Gabon, qui est patriote, qui n'est pas corrompu. Et il lui manque quoi en fait? Il lui manque quoi? Il lui manque juste que le peuple dise oui, nous t'avons reconnu dans cette valeur. Même si tu n'as pas d'argent, on va te donner l'argent. Tu n'as pas les costumes, on va te donner les costumes. Tu n'as pas d'organisation, on va créer l'organisation pour toi, on va se mettre dedans. On va travailler parce qu'on a vu. Prenez Mouang Bading, Luc Benancier et d'autres. Eux-mêmes, ils peuvent même nous dire que non, moi, c'est pas bon. Mais ça, il y a un autre là qui est même plus Kinda que moi. Pourquoi on ne fait jamais ça? Pourquoi on ne fait jamais ça? Pourquoi on ne fait jamais? Pourquoi on est comme ça en fait? Pourquoi on aime faire le marché dans les produits qui sont avariés? Et après on s'étonne qu'on a mal au ventre. Pourquoi on ne fait jamais ça? Pourquoi il n'y a pas un là ou 100 personnes dans ce live? On est 842 personnes tout confondues. Pourquoi il n'y a pas 100 personnes qui disent « Ah, ça c'est vraiment un projet. On va commencer par aller voir le grand Mouang Bading. » Ou bien le grand Luc Bongonsi, pour leur dire que bon, peut-être vous deux associez-vous-même, parce que vous êtes Kinda tous les deux. Associez-vous, l'un est président, l'autre secrétaire général adjoint, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, mais nous, c'est vous deux qu'on a vu. Vous faites comment? Nous, on va se mettre derrière, et on va créer une mouvance derrière vous. Et tous les autres candidats-là, ils seront obligés de venir derrière vous, parce que c'est vous. Parce que c'est pourquoi on ne fait pas ça. Vous allez entendre les noms. Vous allez entendre les noms qui vont sortir. Quand on va demander à quelqu'un que tu votes qui? Junior. Oh, au nom de quoi? Il t'a montré quelque chose. Il t'a montré quelque chose qui fait que tu votes pour lui. Regardez, on dit, oh, Mouang Bading tape trop le pot. Écoutez les arguments. Donc, prenons le cas. Ali Bongo, qui était cocaïnomane connu, mangeur de poulet, mangeur, buveur de coca, sanguinaire comme pas possible. Vous avez pris les laissez-nous avancer. Vous êtes aligné derrière Ali Bongo. Mouang Bading a déjà tué qui? Que vous avez vu. Son vin que vous dites qu'il boit là, imaginons même qu'il boit le vin, imaginons. Imaginons il boit le vin. Bon, son vin que vous dites qu'il boit là, il a tué qui avec ça? C'est pas... Même dans le vin, là, il est intègre. Ça veut dire qu'il est tellement fort que même dans le vin, il garde son intégrité. Ça veut dire qu'il garde sa lucidité, il garde sa dignité. Imaginons, hein, je ne suis pas sûr qu'il est sous l'art, comme vous dites, parce que moi, j'ai entendu autre chose le concernant. Mais imaginons que vous alliez même là-dedans. Vous dites qu'il est sous l'art. Bon, si un gars sous l'art est capable d'être aussi lucide, vous ne pouvez pas voter pour lui. Mais vous choisissez toujours des gens. On vous dit que ça, c'est un gars qui fait les crimes rituels. Vous savez qu'il fait les crimes rituels. Vous alignez derrière lui. Voici un gars qui a fait du mal, qui a fait ça. Voici comment il a géré. Voici, il n'a jamais été réglo. Il a tourné comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Vous êtes derrière lui. Mais oh, Mouang Bading tape trop le pot. Oh, Mouang Bading, quand il parle lentement. Oh, machin. Ça, c'est quoi en fait? On va aller où avec ça? Vous êtes capable de vouloir vous mettre derrière Nourdine. Il y a des gens aujourd'hui qui plient le genou devant Nourdine au Gabon. Nourdine Bongo. Nourdine. Le gars ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille. Nourdine, je ne sais pas qui. Qui dans son entourage sait même quel est le ton de sa voix? Est-ce que vous pouvez même me dire quel est le thème de la voix de Nourdine? Même Junior, vous connaissez le thème de sa voix? Mais là, vous pouvez vous aligner derrière. Et là, vous pouvez vous aligner derrière. Si c'est un Mboronso qui va venir maintenant se présenter, tu vas entendre. Oh, finalement,
Peut-être même que la maman a pu faire quelque chose comme elle a le pouvoir. Mboronto, qui a validé des assassinats au Gabon, qui a toujours été pour le fait que le régime garde le pouvoir, qui a toujours machin. Là, vous allez trouver toutes les raisons que ça soit une belle femme, jolie, gentille, mignonne, capable de libérer le pays. Mais les gens les plus intègres, vous aurez toujours un truc à dire. Dans leur intégrité, malgré leurs défauts. Malgré leurs défauts. Moi, je vous dis, nous tous qui sommes là, vous-même qui êtes en live là, toutes les personnes sûres, fiables là, vous êtes plus à même d'être candidat aux élections que tous les gars là que je viens de citer là. Les Borontios, les machins. Si vous voulez vous aligner derrière quelqu'un, commencez d'abord par vous aligner derrière tous ceux qui sont sur ce live. Quelle que soit la personne, sauf les gens qui font les commentaires sur Junior et les conneries là. Alignons-nous d'abord derrière nous-mêmes avant d'aller compter sur Borontios un jour. Parce que eux, ils ont montré que c'est pas la peine. Vous-même dans votre vin, vous gérez bien votre maison. Dans votre vin, vous n'avez jamais tué quelqu'un. Dans votre vin, vous faites vos petites bêtises dans votre maison, même s'il n'y a pas de petites bêtises, mais vous en faites. Mais ce n'est pas les bêtises qui amènent les morts. Personne de vous n'a tué Mbulboka. Personne de vous n'a amené Zibi en prison. Ce n'est pas Mouad Badi qui a amené Zibi en prison. Mais les gens qui ont cautionné ça sont là. Et vous vous alignez derrière eux. Les crimes rituels, aucun de vous ne les fait. Mais il y a beaucoup qui sont commanditaires des crimes rituels, vous êtes derrière eux. Le mépris, c'est le mépris qui va perdre le Gabonais. Parce que dans nos yeux, on ne voit que des choses... On veut ce qui brille, alors que tout ce qui brille au Gabon n'est pas de l'or. Ce que je vous dis, dès que quelqu'un va vous amener le bling-bling de la brillance, c'est qu'il connaît déjà la psychologie du Gabonais. Le Gabonais aime le tombeau blanchi. On aime choisir suivant le tombeau blanchi. Et quand on nous fabrique un beau tombeau, bien blanc, on oublie qu'il y a un cadavre dedans. Mais les gens vivants, ils arrivent. Hein? Ils arrivent. Un vivant et un tombeau blanchi. Il y en a qui vont vous dire, le tombeau blanchi, le tombeau blanchi. Tu es là, tu regardes, tu dis que mais... Même si Aladdin, si le génie d'Aladdin arrive au Gabon, un pédagiste lui dit, il dit à un pédagiste que qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux comme vœu? Je suis sûr qu'un pédagiste, du quartier peut dire, je veux qu'Ali Bongo soit toujours président. Et que le génie d'Aladdin, il dit à un pédagiste du quartier, un bangandoura, un souffreton, que qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que Ali reste président. Le génie d'Aladdin va même refuser de faire le vœu, là, il va partir. Il va quitter. Et si on essayait au moins une fois de choisir quelque chose qui ne brille pas, mais qui est intègre et digne. Parce que si Mouad Badding avait volé, il brillerait, comme vous voulez. Si Mouad Badding avait volé, il aurait les véhicules que vous aimez voir. Si Mouad Badding avait volé, il aurait le terre sauveur que vous aimez voir. Mais c'est parce qu'il a refusé de voler qu'il a décidé de rester humble. C'est la même chose pour Luc Bongolossi et d'autres. Mais c'est eux que vous allez rejeter. Au détriment des autres. Et que Atarzam. Et que. Jusqu'à quand on va se tromper de casting. Jusqu'à quand? Vous faites un casting pour un film d'église et vous allez chercher un acteur, Rocco Siffredi, un acteur porno. Après, quand il va vous faire les bottes du film porno, pendant le film où vous parlez de Jésus, la vie de Jésus, vous n'allez pas comprendre. Comment, jusqu'à quand on va se tromper de casting? Vous voulez un acteur qui montre la vie de Mère Teresa, vous allez aller chercher, Kim Kardashian. Quand elle va maintenant vous faire les bottes de la sextape, vous allez dire qu'on ne comprend pas. Vous ne comprenez pas comment. Il y a un problème de casting, en fait. Il y a un problème de casting. Les critères de notre casting ne sont pas bons. Changeons un peu nos yeux quand même. Pourquoi on méprise les gens de valeur? Moi, je comprends pas ça. Pourquoi on méprise les gens qui ont de la valeur? Pourquoi on fait ça? Moi, je n'ai jamais compris. Qu'est-ce qui fait que tu regardes quelqu'un qui est habillé, un voleur habillé en veste, et une personne digne habillée en t-shirt ou bien en pagne, tu vas regarder comme ça, tu dis que moi, je choisis le voleur habillé en veste. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. À quel moment? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Et ça là, je vous assure, c'est pas une question du système Bongo. C'est nous. Là, c'est nos yeux, nos cerveaux. Je sais pas comment on est formaté en fait. Si on changeait ça, et si on changeait juste ça, parce que dès le moment que tu choisis la bonne personne,
que tu t'organises pour lui donner des moyens. Même si il sera, la bonne personne au Gabon sera toujours pauvre parce qu'elle n'a pas volé. Écoutez, la bonne personne au Gabon sera toujours pauvre parce qu'elle n'a pas volé. Je répète une troisième fois. La bonne personne au Gabon sera toujours pauvre parce qu'elle n'a pas volé. Et à cause de sa pauvreté, les autres politiciens vont la mépriser. Et ils vont vous amener, vous, à la mépriser. Parce que eux, ils veulent se mettre devant. Et pour se mettre devant, ils ont compris qu'il faut voler pour venir vous éblouir. Voici pourquoi on choisit toujours des gens qui ne vont aller nulle part. C'est une malédiction qui est attachée à nos propres critères de choix. Et après, on fait la concurrence entre le choléra, la peste, le sida et le VIH. Le sida et le Covid. Voilà. C'est ça ce qu'on fait maintenant. On fait maintenant, on est là, on dit que, oh, je choisis qui entre la peste, le choléra, le sida et le Covid. Je choisis qui? Et les gens te demandent ça. Hein. Tu nous proposes qui? On doit voter pour qui? Sida, peste, choléra ou Covid? Tu dis, mais pourquoi tu ne voterais pas pour la santé en fait? Oh non, la santé, c'est pas bien, les pauvres. On dirait c'est un soulard. On dirait il fume. Le gars qui fume, il boit lui-même. Hein. Il fume, il boit. Il ne veut pas choisir quelqu'un qui fume et qui boit comme lui. Parce qu'il va aller choisir quelqu'un qui fume, qui boit, qui prend la cocaïne et qui tue. J'ai pas compris. Quelqu'un qui vit au quartier ne veut pas choisir la bonne personne qui vit au quartier et qui est intègre, qui lui a montré que même quand j'ai fait la politique, je suis resté droit. Il ne veut pas le choisir lui parce qu'il veut choisir quelqu'un qui est dans les beaux quartiers, parce qu'il vit dans les beaux quartiers, parce qu'il a volé et qui s'en fout de lui au quotidien, qui le méprise. Et il va aller voter pour lui et il te dit, aide-moi à aller porter les t-shirts pour aller voter pour lui. Et il va même dire à la personne qui est intègre que toi, va te mettre derrière celui qui n'est pas intègre. Parce que je veux voter pour celui qui n'est pas intègre pour l'intégrité du Gabon. What the... Et si la bonne personne sera toujours pauvre, et que c'est la bonne personne, c'est que c'est à nous de nous organiser pour que sa pauvreté ne soit pas un handicap. Mais que nous nous disions, c'est à nous, comme c'est la personne que la nation a choisie, même si nous sommes 500, à raison de 1000 francs par mois, pendant les 10 mois, 12 mois, 16 mois qui restent là, 500 Gabonais, ou 500, je dis 500, 500 000 Gabonais, prenons 500 000 Gabonais qui donnent 1000 francs, 500 000 Gabonais qui donnent 1000 francs, ça fait combien par mois? L'intégrité ne suffit pas, mais c'est la première base, parce que celui qui n'est pas intègre n'ira jamais nulle part. Donc, commençons d'abord par le casting. Vous ne pouvez pas commencer par autre chose. Commencez par le bon casting. Une fois que nous avons fait le bon casting, donnons les moyens à la personne que nous avons choisie. C'est à notre portée. Vous dites que l'intégrité ne suffit pas. Il suffit d'abord, commençons par choisir la personne intègre. Ensuite, donnons-lui les moyens et organisons-nous pour qu'il arrive au pouvoir. C'est de notre responsabilité, mais enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? Il faut un mouvement qu'on va créer. Vous croyez qu'on n'est pas capable de créer un parti? Si réagir à créer un parti depuis le Congo, en achetant les statuts d'un autre parti, Mort Banning a déjà un parti. Vous ne savez pas quoi. Donc, on va en masse, on dit qu'on adhère, on restructure, on organise, on fait le congrès, au congrès du nouveau parti, je sais pas comment on l'appelle. On dit que c'est lui qu'on a choisi, ou bien, il a son groupe à lui, il connaît lui-même les gens intègres qui ont combattu avec lui. Moi, je ne les connais pas. Il connaît. Nous, on va en masse, on adhère. On fait le congrès. C'est la nation gabonaise. Après, on dit, on va déployer le parti là dans les 9 provinces. Que vous n'êtes pas dans quelle province? C'est des gens qui m'écoutent ici, ils sont dans le G1, G2, G3, G4. Dans chaque province, chaque département, on installe une représentation. On travaille. S'il faut lui écrire le projet, il n'a pas, mais il a un projet puisque c'est un philosophe. Il a pensé la société. Ça fait combien d'années que le gars est là? Il connaît déjà ce qu'il veut faire du Gabon. Il a déjà un projet. Mais enfin, c'est pas possible. On n'est pas capable de faire quoi, en fait? Donc, réagir, se craindre, nous, regardez, nous, on peut pas faire ça. Parce qu'ils ont quoi de plus qu'on n'a pas? Les gens qu'ils ont choisis là, ils ont quoi de plus que vous et moi, là, on n'a pas? Parmi vous, il y a les agrégés, il y a les docteurs, il y a les machins. Qu'est-ce qu'on n'a pas dans la société gabonaise pour créer un mouvement, même en 10 mois, en 7 mois ou en 5 mois, on n'a pas quoi? On n'a pas quoi? Je suis désolé. Et là, on va regarder, hein. On va encore louper l'occasion, on n'a pas quoi? Oh, on va aller sécuriser le vote le jour du vote. Mais oui, il faut quoi? Il faut des représentants du parti en question dans chaque bureau de vote. Mais alors,
Si nous, c'est la nation gabonaise qui a décidé la création de ce parti, c'est participatif, qu'on a mis un directoire avec Mo Badin comme notre candidat, machin, machin, imaginons, hein, je prends un exemple, ou bien Luc Bourgogne, ou bien les deux, bon, imaginons, ils ont créé leur clique, ils se connaissent depuis 30 ans ou 35 ans, les gens intègrent, ok, ils font ça, nous on est là, chaque ville, chaque village, chaque bureau de vote, si c'est notre parti, qu'on ne va pas pouvoir représenter, même Ping n'a pas réussi à avoir des représentants dans chaque parti en 2016, vous croyez que si c'est le parti du peuple, on n'aura pas de représentants? Vous ne pouvez pas. On va même être motivé parce qu'on sait qu'on a le bon candidat. C'est parce qu'on n'a pas toujours le bon candidat que les gens s'en foutent. Quand on a le bon candidat, qu'on a les moyens, que c'est notre propre parti qu'on a créé pour aller conquérir ce pouvoir, on va être motivé. Même s'il faut que je rentre au Gabon, même si on doit m'arrêter ou quoi, je m'en fous. Mais je sais que là, c'est l'occasion que je ne dois pas louper. Pas que non, je dois aller griller, j'arrive à l'aéroport, on m'arrête bêtement parce que je suis venu soutenir quelqu'un qui n'ira nulle part. Vous-même, vous voyez ça comment? C'est normal. Oh, la diaspora a rentré la radio. Vous savez très bien que les gens là, s'ils savent qu'on vient faire campagne, ils vont nous attendre à l'aéroport. Bon, moi, je veux bien qu'on m'arrête à l'aéroport, mais je veux qu'on m'arrête parce que je suis venu pour le combat le plus noble, le plus utile, parce que je sais qu'à la fin, même si je passe un an en prison, à la fin, le pouvoir sera pris par les Gabonais, pour les Gabonais, avec les Gabonais. Voilà, là, je descends. Et je pense que nous tous ici, on va faire la même chose. Et s'il faut même qu'on se transforme en femme pour entrer dans les frontières, s'il faut qu'on passe dans les forêts, s'il faut qu'on se transforme en éléphant, qu'on fasse des déguisements de je ne sais pas quoi, s'il faut qu'on aille faire les campagnes dans les villages les plus reculés, s'il faut qu'on offre des 4x4 pour la campagne, on va le faire, c'est ensemble. Oui ou non? Oui ou non, on est capable de faire ça? Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a une mentalité, là qui est bizarre. Et on attend une libération à laquelle on ne contribue pas, qui vient des gens corrompus, qui ne peuvent nous amener nulle part. Et on sera là toujours en train de pleurer, Chaque élection, on loupe. Vous croyez que qui va nous résister si c'est notre parti? Qui? L'électorat, ce sera nous. La base électorale au Gabon, c'était 600 000 personnes en 2016. 600 000. On est aujourd'hui 2 millions. Je pense qu'ils vont augmenter à 800 000. Parce que c'était 600 000 pour 400 000 votants. Je crois quelque chose comme ça. Hein? Si maintenant on dit que c'est notre parti, déjà dans les 600 000 là, 400 000 votants, les 3 qui ont voté pour Ping, disons. Les 300 000 qui ont voté pour Ping là, hein, disons, ils vont basculer de l'autre côté déjà. Plus tous ceux qui n'ont jamais voté, mais qui disent que là c'est maintenant le moment du peuple. Peut-être on va avoir une base électorale de 1 million de personnes sur les 2 millions de personnes qui vont au Gabon. Dans les 1 million de personnes là, si c'est le parti du peuple qui vont voter, même si les gars là font le renversement, c'est-à-dire qu'on aura les gens partout. Comme on a maintenant les gens partout pour les lives. On a les gens partout pour les blocs. On aura les gens partout. Les gens partout là, je veux un peu voir ça. Je veux un peu voir ça ici là, là, au Gabon, si on fait comme ça. Je veux un peu voir comment ça va se passer en fait. Vous allez voir que les militaires seront avec nous. Je vous dis déjà, les militaires seront avec nous parce qu'ils se disent que, faut pas être du côté de là où ça va perdre. Parce que quand ça va perdre, là, il y aura les règlements de compte. Si c'est règlement de compte, il ne faut pas que moi je sois dedans. Si c'est machin, donc, pardon. C'est ça ce qu'on appelle faire la masse. Mais tant qu'on est là, en train de discuter, d'aller prendre X, et même il y a des gens, ils sont prêts à s'engager. Hein. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Hein. Mais quand ils regardent les gens qu'on choisit, ils se disent que moi, je ne vais pas mourir pour celui-là. Il y a beaucoup de gens comme ça. Peut-être 500 000 à 800 000 personnes au Gabon. Ils sont prêts à faire des choses jusqu'au bout, même à se sacrifier. Il a 15 voitures chez lui, il peut prendre 8 voitures. Il dit que utiliser ça, c'est pour le parti du peuple. Mais quand ils regardent qui ont choisi, ils disent que, lui-là, je le connais. Lui-là, vous l'avez choisi, vous allez aller où avec lui? Vous allez aller où avec lui? Pourquoi on est comme ça? Et ce live, je le fais aujourd'hui. On est déjà le 31 mars 2022. Quand vous irez aux élections, quand l'élection va passer, j'aurai toujours ce live comme témoin. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences, produisent les mêmes effets. Les mêmes erreurs de casting produisent les mêmes problèmes. Il est là, le live, hein. Il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Mais on a encore le temps. Et vous allez encore dire, c'est à vous de structurer, vous êtes au Gabon. Ça vous coûte quoi de dire que, bon, on va un peu demain, on va un peu contacter Mang Bading, même 100 Gabonais, 200 Gabonais, grand, oui. On veut voir un peu ton parti, là, comment.
On veut un peu voir un peu. Oh non, les petits, venez, parce qu'il n'est pas fermé. Les petits, même si c'est Luc Bongon, si même n'importe. Allez un peu. Ça vous coûte quoi? Je comprends pas un peu. Je comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Mais si c'est pas aller au meeting de porter des t-shirts des gens qui vont vous entuber demain, là les gens sont debout, debout. Ça vous coûte quoi en fait? Ça vous coûte un déclic. Déclic, je ne veux pas être spectateur de la prochaine élection présidentielle. Je ne veux pas qu'un parti avec des gens magouillés, truffés, trichés, des gens qui vont nous lâcher en chemin ou qui vont s'asseoir sans rien faire parce qu'ils ont trop d'intérêts croisés dans le système. Des gens qui n'ont jamais rien montré, qui nous racontent des bêtises parce qu'ils sont dans des combats de famille. Alors que moi, je veux qu'on récupère le rabot. Je ne veux plus de ça. Je fais mon déclic, ça change dès aujourd'hui. C'est ce qui nous manque. Le jour où on aura ça. J'ai beaucoup ouvert la voie. J'ai beaucoup ouvert la voie. Hein? C'est parce que c'était important. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant 2h10. Je vais arrêter de parler. Vendredi, on aura un live sur des faits de société. Vous savez, à un moment, quand les gens qui doivent orienter des décisions ne veulent pas prendre leurs décisions, quand le peuple qui doit prendre ses décisions ne veut pas prendre ses responsabilités, nous on parle. Nous, on parle, on ne fait que parler. Ouvrez les yeux. Macron a été fabriqué en France, il ne sort de nulle part. Il a été fabriqué parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent qui se sont mis, parce qu'ils ont leurs intérêts derrière. Pourquoi vous, vous ne pouvez pas faire la même chose pour un candidat qui serait du peuple? On fabrique les candidats, hein? Vous croyez qu'Ali Bongo, c'est un candidat? Ali Bongo, c'est quel candidat, en fait? Nous, 2009, Ali Bongo, quel genre de candidat? Il peut gérer quel pays, en fait? Ils l'ont fabriqué. Tous les candidats du Gabon sont fabriqués. Léonba a été fabriqué. Amou a été fabriqué. Ali Bongo a été le seul que je respecte où je peux dire qu'il avait une construction idéologique de non fabriqué. C'est Mambundu. Le seul. Je dis bien. Ça veut dire que le seul où on va dire qu'il a gagné l'élection en 2005, hein, et que c'était lui normalement. C'est le seul que je respecte que non. Le gars avait sa bouteille, il avait sa construction et autres. Amou a été fabriqué. Fabriquons notre candidat, alors que Mang Bading a le cerveau, hein. Fabriquons juste le candidat, c'est-à-dire donner les moyens et tout. Lui, le programme, il l'a déjà. La structure mentale, il l'a déjà. L'intégrité, il l'a déjà. Tout, il l'a déjà. Mais fabriquons, allons-y le fabriquer comme candidat. Pourquoi vous voulez pas le fabriquer? Vous voulez le regarder tel quel? Pourquoi? Vous, les femmes, là, vous êtes sur le live, vous êtes capable de prendre un homme, de le laver, de le transformer en quelqu'un. Oui, c'était 98, excuse-moi pour Mambundu. Vous êtes capable de prendre un homme, vous le lavez, il devient quelqu'un. Vous fabriquez des gens. Tous les jours, vous fabriquez des gens. Vous fabriquez des enfants. Vous fabriquez des chefs d'entreprise. Les hommes comme des femmes. Vous fabriquez vos chefs. Vous êtes là, les secrétaires, les directeurs techniques. Le chef ne fout rien. Mais il est fabriqué parce que vous, vous travaillez. Donc, vous fabriquez des gens tous les jours. Mais quand il faut fabriquer un président de la République, là, non. On dit, oh, mais lui-là, il est trop sale. Oh, lui-là, il boit trop. Lui-là, quand Ali était bien sale, qu'il buvait trop et qu'il mangeait le poulet avec le coca tous les jours. À jouer les conducteurs de Messi. Là, vous n'avez pas parlé. Là, vous ne parlez pas. Si c'est Junior, regardez comment ça soit à fabriquer Junior devant vous. Et vous, maintenant, vous voulez vous aligner derrière pour le fabriquer président. Regardez Nourdine, cuisinière professionnelle, ne sait pas si c'est même une femme, on le fabrique. Comme votre Doumbé, on est là en train de vous le fabriquer devant vous. On nous a fabriqué Fajon, on fabrique Yamougoulou. Sivien est fabriqué. Tout le monde est fabriqué, mais nous, on n'arrive pas. On est là, ouais, non, mais il n'est pas comme il faut, quoi. Donc, c'est pas bon. Il est intègre, mais non. Il a résisté à la répression, mais non. Il a échappé plusieurs fois à la mort à cause de l'amour du Gabon, mais non. Ouais, il n'est pas, ça va pas. Non. Moi, je vois que, à la fin, on doit forcément voter pour un ex-pédéiste qui a eu qui est très très proche du pouvoir, qui a des enfants dans le pouvoir, qui a l'argent du pouvoir, qui est le frère des gens du pouvoir, qui porte un nom, qui a porté le pouvoir, donc qui doit aller se combattre lui-même en sciant la branche sur laquelle il est assis. Je pense que c'est ça le meilleur choix. Je pense que c'est ça, par la révélation du Seigneur.
parce qu'à cette allure, si même parce que, comment, si, je vous savais quoi, à un moment, je me suis dit, vu comment on procède, le jour où ils vont décider que Patience Davani devient président de la République, elle va devenir. Si Akrombessi voulait même y devenir président, de toute façon, il était déjà président au palais. Akrombessi était président au Gabon. Hein. Parce qu'ils ont compris comment on fonctionne. Il n'y a pas à donner le bulletin blanc. Prochaine élection, il faut qu'on fabrique notre candidat du peuple. Prochaine, il n'y a pas à commencer les résignations là. Quoi? On est nombreux, nombreux comme ça, là, on va toujours se baisser, toujours se mettre à genoux, à quatre pattes, devant les mêmes gens, qui n'ont rien dans le ciboulot, qui ne savent même pas gérer un pays, qui s'en foutent, qui ont la haine pour vous, tout le temps, et vous allez encore passer 4-7 ans là-dedans, au nom de quoi? Au nom de quoi, en fait? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi commencer déjà avec la résignation? Pourquoi? 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 Quel pays a changé avec les résignés? Pourquoi on est comme ça, en fait? Pourquoi? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi? Why? Why? En tout cas, moi, je crois qu'il y a des gens qui vont bouger. On est ensemble. C'est l'homme qui a peur, sinon, il y a rien. J'ai déjà beaucoup parlé. On est ensemble.